Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 2 mai 2022. Donc peut-être seulement rappeler aux gens dans la salle que toutes nos séances du Conseil de ville sont sur Facebook en live et par la suite se retrouvent sur YouTube. De la façon qu'on procède, pendant la séance du Conseil de ville, on demande aux gens de ne pas intervenir. Par contre, à la fin, il y a une séance de questions, une exception près. Quand on a des autorisations, des demandes de dérogation mineure, bien, je demande aux gens qui sont intéressés dans la salle à se prononcer. Et également, quand c'est des autorisations d'usage conditionnel. Donc, quand je le demande, pas de problème, c'est parce que vous allez pouvoir nous poser des questions. Donc, point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est le dépôt du rapport financier 2021 et de ses faits saillants. Et pour l'approbation du rapport de l'auditeur indépendant. Ce qu'il faut savoir, une municipalité se doit à tous les ans d'avoir un vérificateur indépendant qui vient tout vérifier nos écritures. Et c'est le dépôt de ce rapport qui va vous être présenté par M. Marc-André Desjardins, trésorier de la Ville de la Valtrie. Oui, donc vous m'entendez, M. le maire? Parfait. Excellent. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, pas le rapport au complet, mais les faits saillants du rapport financier de l'auditeur qui était DCA, la firme comptable agréée, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. Dans un premier temps, la deuxième diapositive, vous voyez, dans le fond, il y a la première colonne, la colonne budget. Donc, c'est le budget qui avait été adopté par le conseil municipal à la fin de l'année 2020. La réalisation, donc, c'est exactement les dépenses et les revenus qu'on a engagés au 31 décembre 2021. Et la troisième colonne, c'est les réalisations 2020, donc le comparatif sur l'année précédente. Donc, en termes de revenus, la Ville de la Valtrie a réalisé des revenus de 22 517 504 $ et des charges d'exercice avant amortissement, étant donné que ça n'a pas d'impact sur les... sur les sorties de fonds de la ville pour un montant de 18 641 422, ce qui fait, dans le fond, un excédent d'exercice, donc les revenus moins les dépenses de 3 876 082 $. Cela s'ajoute, dans le fond, les postes de conciliation à des fins fiscales. Donc, les municipalités, pour valider, dans le fond, pour enregistrer ses revenus moins ses dépenses et ses excédents, ils viennent rajouter, en fait, on rajoute des charges qui démontrent la situation réelle de la ville, donc dont le remboursement en capital de la dette pour 1 618 600. Des activités d'investissement également, donc à même son budget de fonctionnement pour éviter de s'endetter ou d'aller chercher des emprunts, des petits emprunts, la ville a décidé cette année de procéder à des activités d'investissement pour un montant de 452 922 $ qui est principalement du pavage, qui est des ajouts de pavage, de réfection de pavage, et également l'implantation du parc à chiens en 2021. Il y a des excédents de fonctionnement non affectés, en fait. Pour équilibrer son année financière, en 2020, la municipalité a affecté un montant de ses surplus pour venir équilibrer son budget. Donc, là, à ce montant-là, il y a près de 900 000 $ et d'autres excédents affectés en courant d'année. Et d'autres fins, grosso modo, c'est un jeu comptable là, pour la vente du 181 Saint-François, rang Saint-François. Donc, la Ville, en 2021, a procédé à la vente d'un de ses bâtiments municipaux. Donc, c'est la disposition comptable de cette vente-là qui vient appuyer le montant de 137 293 $. Donc, les éléments de poste de conciliation des fins fiscales, la réalisation 2021, on en a pour 916 599. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les surplus d'opérations de 3 876 082 $ moins 916 599. Donc, la Ville, en 2021, dégage un excédent de fonctionnement. Donc, on parle de surplus libre durant son année de 2 959 483 $. Donc, si on regarde davantage en détail, donc pour venir expliquer cet excellent fonctionnement-là en 2021, il y a différents postes de revenus que la Ville génère annuellement, donc comptabilise annuellement. Évidemment, la taxation, donc la taxation foncière,
un montant de, on a réalisé un montant de 17 493 754 $ qui est un petit peu supérieur à ce qui a été budgété, 17 308 268. Compensation tenant lieu de taxes. Grosso modo, c'est les taxes que les institutions gouvernementales nous versent annuellement. Donc, principalement à la Veltrie, c'est les écoles. Donc, on a un montant sensiblement le même qui avait été budgété de 301 423 $ Des transferts gouvernementaux de 602 757 $ comparativement au budget de 824 365 $ Grosso modo, c'est des subventions qui seront reportées en 2022-2023. Donc, ce qui vient justifier qu'on a un petit peu moins que prévu dans le budget pour principalement des activités là, d'inspection de notre réseau. Des services rendus, on en a pour 804 554 $ Les services rendus, on retrouve beaucoup les camps de jour, des activités parascolaires, des activités à la ville et également, par exemple, des entrées de service, lorsqu'on facture les entrées de service, qui vient d'ailleurs appuyer le montant qui est supérieur au budget. Les impositions de droits, donc la principale raison qui vient expliquer l'excédent de fonctionnement de 2,9 millions que je vous parlais précédemment, c'est les impositions de droits, ce qu'on appelle les taxes de bienvenue, donc les droits de mutation. On avait budgété 690 826 et on a réalisé 2 141 433 $ Donc, je vous dirais que c'est la poursuite du dynamisme immobilier là, que connaît la ville de la Veltrie depuis 2020. Donc, évidemment, il y a une croissance au niveau de ses permis de construction, mais également, il y a beaucoup de transactions immobilières donc qui vient augmenter le montant réalisé versus le budget. Les amendes et pénalités, sensiblement ce qui avait été budgété, 83 248 $ revenu de placement de portefeuille, 16 565 $ Donc, évidemment, c'est la baisse des taux d'intérêt en 2021 qui est venue justifier, dans le fond, l'écart là, négatif par rapport au budget, là, ce qu'on avait budgété en termes de revenus de placement de portefeuille. D'autres revenus d'intérêt, donc de 172 801 $ qui est pratiquement l'équivalent au budget. Et autres revenus, 900 969 $ Donc, c'est la deuxième raison principale qui vient de justifier notre excédent de 2,9 millions. J'en ai parlé tantôt, la ville a vendu un bâtiment municipaux, donc le 181 rue Saint-François, étant donné qu'il n'était plus utilisé. Donc, la ville a procédé à sa vente l'année dernière, donc ce qui vient de justifier donc, l'écart budgétaire. Donc, vous voyez un revenu là, qui n'était pas 900 000, mais c'était 800 quelques mille $ la vente. Donc, c'était au final, on a des revenus de 22 517 504 $ Au niveau des dépenses de fonctionnement, administration générale, on a des dépenses de 3 892 067 $ qui est un montant inférieur à ce qui a été budgété de 4 295 333 $ Principalement, c'est des activités, différents projets spéciaux qui avaient été prévus en 2021 et qui vont se réaliser en 2022. Donc, c'est ce qui explique là, l'écart de dépenses par rapport à ce qui était budgété en 2021. Donc, ces dépenses-là vont se retrouver en 2022 et ce qui est venu également justifier l'affectation de surplus en 2022, là, que je vais vous reparler un petit peu plus tard. Sécurité publique, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est principalement les cotes-parts de la SQ, donc la Sûreté du Québec, et notre entente avec la MRC d'Autriche pour les services des incendies. Donc, un montant de 3 275 266 $ Au niveau des transports, la voirie, un montant sensiblement au même que budgété, de 4 234 900 $ L'hygiène du milieu, un montant de 3 068 346 $ qui était des inspections d'infrastructures qui ont été reportées en 2022. Donc, j'ai expliqué tantôt l'écart sur les revenus de transferts gouvernementaux. Santé et bien-être, c'est principalement la participation au panier de Noël. Donc, un montant supérieur à ce qui a été budgété de 8 500 $ Aménagement urbaniste et développement, un montant de 497 253 $ qui est inférieur à ce qui a été budgété. Par contre, on réserve chaque année des sommes pour du développement économique, donc un fonds de développement économique. Et les sommes qui ne sont pas utilisées sont réaffectées dans une réserve pour utiliser ultérieurement là,
quand vient le temps des demandes au niveau du programme de développement, des différents programmes de développement économique qu'on a, comme la rénovation de façade, par exemple. Loisirs et culture, un montant de 3 243 431 $, qui est légèrement inférieur à ce qui était budgété en raison de certaines activités à cause de la COVID au niveau des loisirs et de la culture ont été cancellées, donc ce qui vient expliquer les dépenses à la baisse par rapport au budget. Et les frais de financement qui sont finalement la même chose que budgété, donc grosso modo qui nous les frais d'intérêt sur le remboursement de service de la dette de 421 659 $, donc ce qui nous amène vers les dépenses des charges avant amortissement de 18 641 422 $. Si on regarde, on a parlé un petit peu des réserves et des fonds et des affectations de surplus. La Ville, au 31 décembre 2021, avait débuté son année, en fait, le 1er janvier 2021, avec des excédents de fonctionnement non affectés, puisqu'on parle de surplus libre, de 4 238 603 $. On a réalisé cette année, comme je vous avais présenté précédemment, un surplus d'exercice de 2 959 483 $. Et on a procédé à différents virements à des réserves des dépenses en immobilisation. Vous allez voir un petit peu plus en bas du tableau. Ce qui fait que les surplus cumulatifs de la Ville au 31 décembre 2021 est de 5 375 268 $. Donc, c'est la constitution principale de l'excédent de fonctionnement non affecté, le surplus libre de la Ville. Si on regarde des excédents de fonctionnement affectés, donc c'est des sommes que le conseil choisit de réserver pour utilisation ultérieure. Le premier, c'est à des fins budgétaires. Donc, au 31 décembre 2021, pour équilibrer son budget 2022, le conseil avait choisi de réserver, en fait, d'affecter un montant de ses surplus de 749 000 $ pour venir équilibrer le budget 2020. Les fêtes du 350e, donc vous savez, les festivités du 350e vont avoir lieu en 2022. Donc, il y avait chaque année, la Ville réservait des sommes depuis plusieurs années maintenant pour pouvoir pallier à l'augmentation des dépenses en lien avec les fêtes du 350e. Donc, il y a un montant de 300 000 $ qui va être utilisé en 2022. Et les activités de développement économique que je vous parlais tantôt. Donc, les montants qui n'ont pas été utilisés pour le programme, on les envoie dans un excédent de fonctionnement affecté, dans une réserve pour utilisation future dans le cadre de nos programmes. Et un règlement 211 de 2015. Donc, grosso modo, c'est des sommes qui sont réservées pour rembourser un règlement d'emprunt tel qu'il était spécifié dans le règlement d'emprunt. Excusez-moi. Si on regarde les réserves et fonds réservés, on a une petite réserve dans le fonds de parc de 63 272 $ qui n'a pas bougé depuis l'année dernière. C'est grosso modo le résultat de la vente de différents terrains là, qui a eu lieu il y a quelques années, donc qui va être utilisé pour des fins de développement de parc. Réserve pour vidange des voûtes des étangs aérés, donc c'est les sommes qu'on réserve annuellement pour pouvoir procéder au vidange des bois aérés. Donc, au 31 décembre 2021, il y avait un montant de 300 000 $ de réservé qui va être utilisé complètement en 2022, étant donné qu'on procède au vidange des boues cette année en 2022. Le fonds de roulement, on a un solde de 244 710. Le fonds de roulement, c'est la Ville pour les petits immobilisations, dont des équipements, des véhicules, se prête à elle-même donc, et se rembourse à elle-même par la suite. Donc, on a un montant de 244 710 $. Et des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé pour un montant de 403 548 $. Donc, des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé, c'est des sommes, en fait, quand on finalise un projet, on s'en va vers des emprunts et il arrive parfois que, dépendamment si le projet est terminé ou non, qu'on a trop financé le projet, donc le montant qui est trop financé, ça va dans un fonds puis peut être utilisé par la suite pour le remboursement des emprunts futurs. Donc, ce qui fait le tour de nos excédents et réserves au 31 décembre 2021. Au niveau de la dette à long terme de la Ville, donc la dette à long terme de la Ville totalise 17 394 949 $. Cette dette-là, elle est constituée, en fait, on la catégorise en trois catégories. Le financement net à la charge de l'ensemble de la Ville. Donc, les gens, c'est que dans le fond, on répartit cette dette-là à l'ensemble
des propriétaires de la ville. Un financement net à la charge de secteur de la ville. Donc, ça, c'est pour vous donner un exemple, la ville de la Valtrie n'est pas tous desservant l'aqueduc. Donc, un des secteurs, c'est un secteur aqueduc. Donc, quand on fait des investissements au niveau de l'aqueduc, de l'eau potable, bien, on répartit cette dette-là à cet investissement-là, à ceux qui sont desservis uniquement par le réseau d'aqueduc. Donc, et aussi le financement net à la charge de tiers des gouvernements et des MRC. Donc, il y a un montant également qu'on emprunte, mais qui sont remboursés par le gouvernement. On parle principalement là, de la taxe sur l'essence, donc la TECQ. Donc, si vous regardez, dans le fond, le financement net à la charge à l'ensemble est de, en fait, la dette est de 12 077 002 $ dans certains secteurs de 3 590 128 $ et le financement net à la charge de tiers, donc des gouvernements, de 1 727 819 $ Donc, la charge réelle de la dette de la ville, si on exclut les montants qui sont remboursés par le gouvernement, est de 15 667 130 $ Légère baisse par rapport à l'année dernière. Si on regarde l'analyse de la dette en pourcentage, donc en 2021, selon le décret du ministère, la population de la ville de la Valtrie était de 14 495 habitants. La richesse foncière est uniformisée. Donc, c'est la somme de l'ensemble des valeurs foncières, de l'ensemble des matricules et des propriétés à la Valtrie. C'est de 1,6 milliard de dollars. Donc, si on regarde la dette par habitant pour l'ensemble, la dette par habitant, donc, est de 833 $ qui est une légère baisse par rapport à l'année dernière. Et au secteur de 248 $ qui est une légère baisse également par rapport à l'année dernière, qui était de 282 $ Et si on regarde en pourcentage de la valeur foncière de la ville, donc la dette à l'ensemble constitue 0,75% de la valeur foncière. Donc, grosso modo, 75 du 100 $ d'évaluation et pour l'ensemble. Et au niveau du bassin des secteurs, en fait, l'endettement pour les secteurs est de 22% de l'évaluation. C'est ce qui fait le tour de la présentation. Simplement, là, en conclusion, vous informer que le rapport, là, dans le fond, indique par rapport à nos auditeurs qui représentent fidèlement la situation financière au 31 décembre 2021, qu'il n'y a aucune anomalie et que c'est un rapport sans réserve au 31 décembre 2021 de la part de notre auditeur indépendant, DCA. Finalement, en terminant, simplement vous mentionner que la présentation qu'on vous présente aujourd'hui va être en ligne sur le site Internet de la ville de la Valtrie dès demain avec ses principaux faits saillants. C'est ce qui complète ma présentation, M. le maire. Merci beaucoup, M. Desjardins. Donc, ça me prend l'approbation du rapport. M. Moreau. Merci beaucoup, M. Desjardins, pour cette présentation. Que le conseil municipal accepte le rapport financier 2021 et le rapport des auditeurs externes de la ville de la Valtrie. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Rangé. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. M'essayez de ne pas me tromper ce soir. Je vous le promets de faire des efforts. Beau défi. Donc, point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 avril 2022, dont vous avez reçu copie. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Monsieur Guévremont, appuyé par Monsieur Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche? Oui. Point 4, aménagement du territoire urbaniste. 4.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 avril 2022. Donc, c'est seulement un dépôt. 4.1.1, demande d'autorisation d'usage conditionnel, PIIA et dérogation mineure, terrasse Turnbull. Madame Falker. Oui, donc le conseil municipal a été saisi d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel et de demande de dérogation mineure et de permis PIA présenté par Développement Zone Verte pour Novax Immobilier. La demande est là pour but d'aménager sur une série de lots qui donne sur la rue Notre-Dame la quatrième phase du projet intégré prévu sur la terrasse Turnbull. C'est un projet d'ensemble, en fait, qui s'étend de la rue Notre-Dame jusqu'au fleuve. La quatrième phase, elle est constituée d'un bâtiment mixte qui est composé de 32 logements répartis sur quatre étages,
On le sait, là, sur Notre-Dame, de la façon dont ça fonctionne, il y a trois étages, puis il y a un quatrième étage qui est permis en retrait. De ce bâtiment-là, il y a une partie du rez-de-chaussée qui est utilisée à des fins commerciales, donc des espaces à bureaux ou autres. Et c'est un projet qui va remplacer les bâtiments du 942 rue Notre-Dame et de son voisin, dont l'adresse est le 20 rue Saint-Thomas, mais dont la façade donne sur la rue Notre-Dame. Le conseil a aussi été saisi d'une demande de dérogation mineure dans ce projet-là relativement au niveau du stationnement souterrain qui est implanté à une distance de 2,1 mètres de la ligne avant de la rue Notre-Dame, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage qui fixe la marge de recul à 10 mètres. L'analyse en PIA des plans architecturaux et des aménagements paysagers permet aussi de conclure que le projet rencontre les objectifs et les critères du règlement sur les PIA. Le projet proposé respecte dans l'ensemble aussi les critères d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels. Et du côté du conseil municipal, après l'analyse du dossier, le conseil est en accord avec la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, mais avec des conditions. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cet usage conditionnel? Bonjour, mon nom est Jean-François Racicot, rue Saint-Thomas. Premièrement, je veux juste m'assurer d'une petite chose, qu'il n'y aura pas d'accès par Saint-Thomas, nul. Exact. Parfait. Ça fait-tu partie de l'usage conditionnel? C'est-tu écrit condition, pas d'accès? Ou ça fait pas partie de l'usage conditionnel? Non, ça fait pas partie des conditions. On ne l'a pas permis de toute façon. Okay. Dans le plan qu'ils nous ont présenté, c'est pas là. Okay. Puis s'ils nous le présentaient, il faudrait que ce soit dans l'usage conditionnel. Okay. Mais c'est pas la ville qui l'a exigé. On en a déjà parlé avec l'entrepreneur, on s'en était déjà parlé, qu'on n'en voulait pas, donc il n'a pas présenté. Moi, je veux surtout m'assurer que ça n'arrive pas. Quelles sont les conditions, justement? On va vous les nommer après. Et OK, on a droit aux questions avant d'avoir le reste. OK, c'est bon. Ensuite de ça, sur la pancarte qui est présentement devant ce projet-là, ça parle, je m'excuse... De logement, et puis ça dit « Utilisé à des fins commerciales, espace, à bureau ou boulangerie, café. » Ça veut-tu dire qu'il n'y aura pas d'autre chose qu'une boulangerie ou un café là-dedans? En ce moment, tout ce qui est permis, c'est l'usage de bureau. S'il y a un autre usage, parce que c'était tout simplement dans les dessins, mais s'il y a un autre usage, il faut qu'il vienne en usage conditionnel. Il faut qu'il refasse une demande d'usage conditionnel. OK. Là, en ce moment... C'est du bureau. C'est du bureau. Seulement. OK. Parce que c'était difficile de se prononcer, parce que tant que ce n'est pas bâti, ils ne savent pas nécessairement qu'est-ce qui va s'implanter. Qu'est-ce qui va attirer. Donc, on permet le bureau et après ça, on va voir selon les demandes, selon ce qui va s'implanter, parce que c'était difficile pour nous de le voir. Donc, quand il va y avoir une demande, on va analyser la demande. Parfait. Une autre question que j'ai, là, on a parlé du souterrain. Qui irait à, combien on a dit, 2 mètres de la rue Notre-Dame? Oui. Ça veut dire qu'à 2 mètres de la rue Notre-Dame, en dessous, il va y avoir quelque chose. Oui. Mm-hmm. Tout ça va être solide, la rue ne se fera pas décor. Je ne suis pas un ingénieur, mais quand on bâtit du souterrain, habituellement... Ça dépend où? ils bâtissent des 80 étages avec du souterrain. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de problème à avoir du souterrain. On verra. Ensuite de ça, je vais vous laisser présenter le restant du projet. Si on a d'autres questions, on les posera. Merci. Merci beaucoup. Madame Folger. Oui, donc je fais la proposition. Bon, au niveau de l'usage, l'autorisation de l'usage conditionnel, je propose que le conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'usage conditionnel présentée par Développement Zone Verte pour Novax. Tel qu'illustré au dossier de présentation de la phase 4, qui est daté de mars 2022, avec les conditions suivantes. Donc, que l'usage commercial prévu au rez-de-chaussée ne se limite qu'à des espaces bureaux, que la construction du bâtiment et des aménagements extérieurs soient réalisés conformément aux plans qui sont déposés, que les plans aient été approuvés par le service de sécurité incendie préalablement à l'émission du permis de construction, que soit installé un revêtement de toit de couleur blanche afin de réduire les îlots de chaleur, qu'une attestation d'un architecte soit produite quant au respect des plans déposés, incluant le revêtement de toit préalablement à l'occupation du bâtiment, qu'une attestation soit produite par un architecte paysagiste quant à la réalisation des aménagements illustrés aux plans qui ont été déposés,
que soit respectée toute exigence réglementaire qui ne peut être vérifiée sur les plans, notamment les équipements de recharge de véhicules électriques ainsi que la contribution pour fin de parc, qu'une attestation d'installation des équipements de recharge de véhicules électriques conformément à l'article 3.35 du règlement de zonage soit produite par un maître électricien avant l'occupation du bâtiment, que les infrastructures d'aqueduc, d'égout et de protection incendie soient cédées à la ville préalablement à l'occupation du bâtiment, que soit approuvée préalablement à l'émission du permis de construction une étude préparée par un ingénieur qui démontre le mode d'évacuation et de rétention des eaux pluviales, et que soit déposée préalablement à l'occupation du bâtiment une attestation de l'ingénieur indiquant que les dits travaux d'évacuation et de rétention des eaux ont été réalisés conformément à l'étude. Au niveau de la dérogation mineure, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation telle que présentée. Puis pour le permis PIA, donc, je propose qu'en vertu du règlement sur les PIA, le conseil municipal approuve les plans de construction produits par les architectes SMM et joints aux documents de présentation, puis que la totalité du projet, incluant l'ensemble des équipements et des éléments illustrés aux documents de présentation, ainsi que le plan d'aménagement paysager déposé en date du 29 mars, doit être réalisé entièrement au 31 décembre 2024. Voilà. Je propose. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Rangé. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. Juste peut-être pour les gens qui se joignent à nous pour la première fois, là, PIIA. Souvent, on a beaucoup de ces choses-là. Hein. C'est plan d'implantation et d'intégration architecturale. 4.1.2, demande d'autorisation d'usage conditionnel et dérogation mineure. Pour celle-là, attendez un petit peu. Ah, rue des Mers. Madame Falker. Oui, donc le conseil municipal a été saisi d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel et de demande de dérogation mineure présentée par groupe immobilier CASA. La demande est là pour but de construire sur des lots qui sont situés là, complètement au bout de la rue des Mers un projet intégré composé de deux habitations multifamiliales de 20 et de 24 logements sur 3 étages. Le conseil a aussi été saisi d'une demande de dérogation mineure dans ce même projet relativement au bâtiment qui est prévu sur le lot 2,638,388 en remplacement de la résidence qui est située au 140 rue des Mers. Donc, la demande de dérogation, elle consiste en une marge de recul avant du bâtiment de 5 mètres au lieu de 6, d'une marge de recul arrière du bâtiment de 3,8 mètres au lieu de 7,5 mètres, et d'une marge de recul d'un mètre pour le stationnement souterrain au lieu de 7,5 mètres en marge arrière et de 6 mètres en marge avant. Le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure là, à l'égard de ce projet-là relativement à la construction, ça c'est pour le bâtiment face au 140 rue des Mers, d'un bâtiment dont la marge de recul arrière du stationnement souterrain est de 4 mètres au lieu de 6 mètres, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage. Le projet qui est proposé respecte les critères d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels. Et le conseil municipal, après l'analyse du dossier, est en accord avec la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, encore là avec des conditions. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cet usage conditionnel? Bonsoir tout le monde, mon nom est François Fournel, je suis le propriétaire du 10 Victor Bourgeot, qui est l'arrière du projet. Vous allez m'excuser, ça fait une journée que je m'intéresse à la politique municipale. J'ai été au courant de la construction seulement depuis hier soir. J'ai une liste de points que j'aimerais vérifier avec vous avant de donner mon opinion. Juste confirmer le terrain sur où est-ce qu'il y a la maison. Sur le projet du 24 logements, je crois. Est-ce qu'il est bien, il est évidemment bien zoné pour construction? Oui, définitivement. Okay. Est-ce qu'il a été changé récemment ou il a toujours été de ce zonage? Il faisait partie de l'usage conditionnel. Ça n'a pas été changé dernièrement. Ça a-t-il été changé dernièrement? Non, oui. Est-ce que ça a été changé spécifiquement pour ce projet? Le multi était déjà permis dans cette zone-là.
jusqu'à 12 logements. Puis en usage conditionnel, le conseil a pris la décision d'étudier des projets en usage conditionnel pour plus que 12 logements. Mais c'était déjà permis d'avoir du 12 logements. Ouais, du 12 logements, exactement. Du 12 logements, c'était déjà permis. Oui, il y a une petite différence dans la grosseur du building. Oui, par contre, c'est ce qui nous permet de mettre des conditions quand on est en usage conditionnel. Parfait. Malheureusement, je vais savoir les conditions seulement après, fait que je dois assumer. Par contre, vous pouvez nommer, vous pouvez le dire, parce que, parce que ce qu'on fait aussi, j'ai ma liste. on peut définitivement rajouter des choses comme conseil de ville. Parfait. Donc, j'aimerais aussi définir c'est quoi le devant et c'est quoi le derrière. Est-ce que le devant est sur la rue des Mères et le derrière chez moi? Mm-hmm. Oui. OK. Puis, autre que la présentation que vous venez de faire, le plan n'est pas disponible avant maintenant pour non. les citoyens? Effectivement, parce que c'est déposé en assemblée publique aujourd'hui. Parfait. Par contre, quand on parle de votre domicile, quand on parle de la marge arrière, c'est la marge arrière parce qu'il va y avoir un lot, puis là, corrige-moi, M. Brault, si je me trompe, mais c'est la marge du lot parce qu'il va y avoir une place pour un accès pour aller sur le bord du fleuve, ce qu'on voulait donner. Donc, le bâtiment, aller à votre ligne de l'eau, à vous, est beaucoup plus loin. Puis là, je n'ai pas la marge exacte. L'avez-vous, M. Brault? Je ne sais pas si on la voit sur les plans. C'est important parce que une partie de ma documentation va faire référence à la ligne arrière. Si on a des données. Vous allez m'excuser, j'ai un signe à faire à Facebook. Juste mentionner à ma conjointe que je l'adore. J'ai pas exactement l'information sur ce plan-là. Mais vous voyez le bâtiment, la marche, parce qu'ici, là, c'est un sentier qui est prévu d'accès public, un sentier public d'accès au fleuve, puis c'est un terrain qui va devenir un terrain municipal dans la contribution pour fin de parc du promoteur, parce que le promoteur doit donner une contribution pour fin de parc. Il y a un pourcentage en superficie que le conseil va prendre pour... et c'est là la dérogation par rapport au bâtiment versus le sentier qui est là, et non la ligne de l'eau. Et non la ligne de votre l'eau, parce que le sentier, c'était combien? Je ne me souviens plus. C'était... Le sentier a 3,5 mètres jusqu'à 7,5 mètres ici. Exact. Donc vous avez 3,5 plus la distance du bâtiment, vous avez 7,5 mètres. Là. OK. Donc, bien comprendre que la ligne de construction du bâtiment va quand même être à 7,5 mètres. Et plus. OK. Par contre, le bâtiment va beaucoup plus près de l'eau? Non. Comme vous voyez, le bâtiment il est plus avancé vers la rue parce qu'il y a quand même un grand terrain en arrière. OK, les dimensions du terrain, juste parce que moi, ma maison, quand je vais être sur mon balcon, je vais avoir 3 étages de balcon qui me regardent manger? Vous allez avoir les espaces verts. Parce que quand on regarde là, l'espace vert, puis votre propriété, votre cour donne sur leur espace vert. Vous avez ici la maison qui est là, mais effectivement, le bâtiment là, va arriver, où on le voit là. Avec la maison actuelle, est-ce qu'il... Presque au bout du rond-point. Là. OK, fait que définitivement, ma vue va maintenant contenir un gros building. Bien, pas nécessairement. Votre rue. Ben, le premier va cacher le deuxième. On s'entend? Non, il va être plus. C'est sur la rue des Mères, c'est pas sur votre rue? Là, vous êtes ici. Hein? Je vais juste porter attention à l'image. Ouais. Moi, je suis la maison juste au sud. Ah, non, c'est pas ce que je... Okay. Moi, mon terrain est évidemment dans la direction du building. Oui. Donc, quand je vais être sur mon balcon, ce que je vous dis, c'est que moi, maintenant, je verrai plus le quai, les feux d'artifice, je vais voir un beau building de 3 étages. C'est dans juste... votre cour? Ben là, écoutez, non, pas dans ma cour, sur mon balcon de maison. Dans votre cour, là, on le voit, là, ils vont être exactement là où ce qu'il y a le rond-point, là, le gros building va être en ligne avec ça. Donc, vous venez me dire que le building va aller jusqu'au rond-point? Oui. À peu près, oui. Effectivement. Donc, sur mon balcon, à ma gauche, j'ai un beau gros building de 3 étages qui va me cacher la vue du, par exemple, des feux d'artifice et du fleuve. Effectivement. Bon, parfait.
Non, c'est loin d'être parfait, mais on s'entend sur la définition de c'est quoi avoir un building dans notre champ de vision. OK, bien, je vais adresser là, un autre point parce que je pense que la définition du sentier et tout a été adressée, parce qu'il y a une haie. Oui. Parfait. Donc, là, le stationnement souterrain qui vient à un mètre de la ligne, c'est la même ligne qu'on parle, qui n'est pas la ligne de mon terrain, mais oui. La ligne du sentier, l'autre bord du sentier. Oui. OK, c'est juste parce que la haie a plus qu'un mètre de large, donc creuser à un mètre de ma ligne voulait dire détruire oui, complètement la haie. OK, parfait. Fait que donc, ceci n'est plus un problème. On va y en venir. Là, j'avais un point mitigé parce que quand je me suis présenté ici, je n'avais pas l'idée des lots et des définitions. Donc, j'anticipais que construire si près, si creux sur une bande riveraine, probablement même aller peut-être sous le niveau de l'eau pour créer la fondation du souterrain, avait un impact majeur sur le potentiel dégâts qui pourraient subir ma maison en déplacement ou en fissure et tout le tralala au niveau de la construction. Mais comme là, en réalité, le building est respectant la norme de 7,5 mètres. Et plus, oui. Et plus, je vais devoir malheureusement laisser faire le point parce que ça suit les règles d'urbanisme qui sont déjà définies. Donc, personnellement pour moi, seulement moi, et étant résident juste à côté du building, évidemment, j'ai une sérieuse perte de qualité de vie, de jouissance de mon terrain. Difficile à dire comment quelqu'un peut aimer avoir un building de 3 étages lorsqu'il achète une propriété à la Valtrie sur le bord de l'eau dans un quartier tranquille. Fait que je ne peux que m'opposer au projet. À mon avis, de permettre de construire plus que ce qui était déjà permis ne va vraiment pas dans l'optique du quartier de la rue Victor Bourgeot qui a été créé à la Valtrie, d'avoir des maisons de luxe sur le bord de l'eau dans un quartier tranquille avec tous les services souterrains, tout le tralala. De rajouter un si gros building dans l'entrée de notre quartier fait aucun sens. Je comprends et j'assume le fait que le terrain est zoné pour 10 logements et je ne m'y oppose pas, mais de permettre un si gros building, à mon avis, dénature complètement ce quartier et j'espère que mon représentant peut comprendre la situation. Je ne suis pas le seul résident dans ce quartier-là et vous savez quelle grosseur ont les maisons. Moi, j'ai la petite du coin. Et la valeur de ces maisons-là, il n'y a pas personne qui va être intéressé par ce type de building. Fait que, peu importe ce que vous décidez aujourd'hui, ma recommandation, évidemment, elle a changé parce que les détails ont changé. Ma recommandation personnelle, c'est que vous devriez tenir une consultation publique des gens de mon quartier et des alentours, OK, pour vraiment comprendre le pouls de c'est quoi qui se passe dans notre quartier. Et avant de prendre une décision aussi majeure de construire un aussi gros building, probablement seul parce que ça rajoute beaucoup d'argent dans les comptes de la ville. C'est pas la nature de ce quartier-là, vous le savez, je le sais. Tout ce que je vous demande, c'est prenez le temps de nous demander ce qu'on en pense avant de prendre la décision. J'ai aucun problème d'en revenir le mois prochain et de débattre, mais laissez au moins la population le temps de donner leur avis sur le sujet. Merci. Merci à tous. Donc, Mme Falker. Oui. Tantôt, quand vous avez parlé des dérogations qui avaient été demandées puis des distances de l'eau, tout ça, ça a passé très, très vite. Là. Bon, en tout cas, ça a passé vite pour moi. Je veux juste comprendre, là, est-ce qu'il y a eu une demande de pouvoir s'approcher d'une ligne, de s'éloigner d'une ligne, de n'en avoir plus, de n'en avoir moins? C'est sûr que quand ça a été vite. Bien, quand il y a une demande de dérogation mineure, c'est parce qu'il y a eu une demande de fait au conseil de ville, effectivement. OK. Bon. Moi, ma question, c'est... on voit beaucoup de dérogations passer mm-hmm. pas mal. Là. C'est-à-dire, le terrain qui est là, il y a ce grosseur-là. Pourquoi que la personne, l'entité, la compagnie, whatever, qui veut faire un projet à cette place-là, pourquoi qu'il ne se fait pas juste dire,
excuse-moi le mot, mais hey, dude, le terrain, il est là, c'est ça. Je veux dire, ton building, il fallait un petit peu plus petit, il va rentrer. Ce qu'il faut comprendre, là, le building, il rentre. Non, il rentre pas, il faut faire des dérogations. Non, faut il rentre. Autour. C'est le souterrain, c'est ce qu'on voit pas. Ben, le souterrain, il fait partie du building. Ben, ça, c'est justement une dérogation mineure, c'est pour que ça soit analysé par l'ensemble du conseil de ville. C'est pour ça que les dérogations mineures existent selon la loi. Parce qu'il y a, il y a de la réglementation et les conseils de ville se penchent selon la situation du secteur, selon la situation du terrain. Et là, on ne voulait pas que ça soit pour le building, mais pour le souterrain qui ne se voit pas. Okay. Là, dernière petite question, c'est ça une dérogation mineure. Fait que si je comprends bien, s'il n'y aurait pas de souterrain à ce building-là, tout serait beau, on ne serait pas ici t'asseoir. Il n'y aurait pas de dérogation mineure. OK, parfait, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Rémi Renon. Je suis un heureux et citoyen de la Valtrie depuis 3 ans et demi. Vous pouvez enlever votre masque, s'il vous plaît. On a de la J'habite misère. J'habite sur la rue Terrasse Martineau. Mm-hmm. Donc, c'est comme juste la rue à côté de la rue des Mères, en fait. Il y a quelques points que j'aimerais aborder avec vous, en fait. Le premier, en fait, celui qui m'intéresse le plus, c'est la bâtisse qui est sur le lot en face du 140 rue des Mères. Donc ça, si j'ai bien compris, ça a été débattu en mars. Là, il y a une dérogation mineure qui est demandée pour celui-là, pour le stationnement, pour que l'arrière soit plus près de la marge, donc à 4 mètres au lieu de 6 mètres. Je me demandais, en fait, déjà, est-ce que vous pouvez me confirmer que ça, c'est sous le sol, qu'il n'y a aucun impact au-dessus? Oui, effectivement. C'est vraiment ce qui est en sous-sol, parce que le bâtiment qui va être bâti va être encore plus loin que la réglementation actuelle. Le bâtiment qui sort de terre, vraiment, va être plus loin que la réglementation actuelle. OK. Moi, mon inquiétude par rapport à ça, bien, déjà, en partant, vous comprendrez que ça change notre vie. J'ai beaucoup d'empathie pour le monsieur ici, là, avec les blocs. Je comprends que sur cette rue-là, vous faites des blocs. Après ça, c'est sûr que si vous me demandez mon avis, bien, si on y allait avec le règlement, ce qui permet, bien, nous autres, ça ferait notre affaire, de faire des plus gros blocs avec plus de logements, bien, ça fait plus de gens qui circulent, ça fait des plus gros blocs aussi, puis on a comme une vue sur le fleuve qu'on aime, puis là, tout à coup, ben, tu sais, il y a un gros bloc qui arrive là. Moi, mon inquiétude par rapport à ça, c'est que sur cette propriété-là, qui se trouve à être très près de d'où on vit, en fait, je me demandais si c'était possible de demander de l'usage conditionnel dans le sens où ça serait le fun qu'il y ait des arbres entre les deux, tu sais, des arbres matures entre cette bâtisse-là puis la rue Terrasse Martineau, ce qui ferait que si c'est vrai qu'on va perdre une partie de la vue qu'on a sur le fleuve, ben au moins on aurait une vue sur des arbres et non sur une bâtisse. Puis là, ce que je me demande par rapport à la dérogation mineure qui est demandée, c'est est-ce que en ayant un stationnement qui va plus près du bord, est-ce que tout à coup, ça fait que planter ces arbres-là, c'est pas possible, ou que les arbres sont plus petits, ou qu'ils sont plus près de la marge? Fait que, tu sais, ça a quand même un impact. Fait que, tu sais, je comprends qu'on voit pas le stationnement qui est sous la terre, mais je pense que ça a un impact sur ce qui peut être planté. Puis ça, j'avoue que ça m'inquiète un peu. Effectivement. L'autre truc qui m'inquiète aussi par rapport à cette bâtisse-là, c'est la pollution lumineuse qui vient avec. Fait que, tu sais, j'ai pas vu les plans, tu sais, j'ai pas vu c'est quoi le truc, mais tu sais, on s'entend qu'un 20 logements, tu sais, c'est 20 logements qui ont des lumières, puis que là, chacun a sa petite lumière à l'extérieur, puis tu sais, je sais que sur la rue Terrasse Martineau, il y en a d'autres blocs qu'on voit sur la rue des Mères, parce qu'il y a des arbres qui ont été coupés, puis franchement, dans l'usage dans la vie quotidienne, il y a des irritants quand même majeurs à avoir des lumières qui éclairent beaucoup, puis en fait, pour absolument rien. Puis ça fait qu'on ne voit plus le ciel. Puis ça fait que quand c'est sous le bord de l'eau, ben, on ne voit plus le fleuve la nuit, parce qu'à 7 heures, le spot y allume, puis c'est dérangeant. Fait, t'sais, est-ce qu'il y a dans les usages conditionnels des conditions de ce côté-là sur l'emplacement de ces lumières-là? Voyez-vous, c'est
à ça aussi, que ça sert, on sait que ça a un impact, mais en usage conditionnel, à soir, c'est des choses que le conseil de ville peut rajouter dans l'usage conditionnel. On le fait sur terrasse Gravel, où on a exigé vraiment d'avoir un plan ou de ne pas avoir de lumière. Là, les lumières sont disposées, vous savez, de haut vers le bas, là, pour pas que ça l'éclaire. Fait que oui, c'est possible de rajouter ça dans l'usage conditionnel, effectivement. Si c'est possible, puis, oui, ça pour possible. La plantation, je ne me souviens pas ce qu'on exigeait. On a des mesures d'atténuation. Mais aussi, on a exigé. Puis surtout sur la partie où il n'y aura pas de souterrain, effectivement. Mais vous avez raison, la partie qui est souterrain, évidemment, ils ne peuvent pas planter des érables ou des arbres immenses à cause du souterrain. Par contre, on a demandé qu'il y ait une atténuation, puis c'est dans nos conditions. Puis pour la lumière, elle n'était pas dans les conditions, je pense. Pas dans les conditions, mais on va l'ajouter. Si le conseil de ville est d'accord, on va le rajouter. Ils vont être obligés de nous déposer un plan, puis qui va être approuvé par nos services. C'est parce qu'effectivement, on peut l'exiger en usage conditionnel. Je vous remercie pour ça. Merci. Bien, c'est moi qui vous remercie. Donc, on... Hein? Ah, oui. Alors, bonsoir. Josée Paquette, également résidente de l'avenue Victor-Bourgeot. C'est sûr que chez nous, l'impact est moins grand que chez M. François. Je veux juste vous dire d'entrée de jeu que je trouve que c'est un pléonasme d'appeler les dérogations mineures. Ce ne sont pas des dérogations mineures, étant donné que pratiquement chacune des façades de ce bâtiment-là, ou de, je devrais dire de ces bâtiments-là, demande dérogation. Et pas des petites dimensions. Quand on diminue de 50 % les demandes, pour moi, c'est pas mineur. Par le passé, on a des voisins qui ont demandé certaines dérogations, puis François l'a nommé, on n'a pas des petites cabanes. Là. Je m'excuse, ça arrive chez nous, il n'y a pas grand-chose en bas de 500 000. Puis ça va jusqu'à du 2 millions. On est dans un secteur les plus prestigieux de la Valtrie, puis avec ces vues-là, vous êtes en train de scraper l'environnement pour lequel tout le monde travaille. Monsieur Moreau, vous venez faire du porte-à-porte quand c'est le temps des élections. J'aurais peut-être aimé ça apprécier. Moi, j'aurais apprécié qu'on puisse venir nous parler de ce projet-là puis tâter le pouls un peu. Je pense que la grogne, elle serait moins élevée ce soir. Puis je vous dis, je suis là ce soir, mais je représente pas seulement ma petite personne. Plusieurs résidents, pour des raisons personnelles, n'ont pas pu se présenter parce qu'on l'a su, évidemment, il y a 24 heures. Fait que oui, François, moi, on se mobilise ce soir. Mais qu'une personne demande une dérogation mineure pour un cabanon, pour une histoire d'un pied, puis qu'on se fasse refuser, alors qu'un gros promoteur vienne abattre des arbres centenaires. Au 140 des maires, là, il y a des arbres centenaires qui sont là, qui cachent actuellement la maison qui est là. Je le sais, c'est de biais avec la ligne de visuel que j'ai chez moi. On ne voit même pas la demeure. Si, et ça a été nommé tout à l'heure, si ce qui était respecté dans la réglementation actuelle était là, il n'y aurait pas personne, je pense, qui serait ici ce soir. On passe d'un 10-12 logements à du 24. Chacune des dimensions n'est pas respectée. On demande des dérogations majeures, je le répète, c'est un pléonasme, ce n'est pas des dérogations mineures. Et on va abattre des arbres. Moi, si chez nous, là, j'ai un petit arbre là, qui mesure 3 pieds, j'ai besoin d'un permis de la ville pour l'abattre. Là, il y a des grosses épinettes, il y a des sapins, il y a des conifères, il y a une haie qui mesure probablement 200 pieds de long. Tout va être arraché, puis ça, c'est pas grave. Vous me permettez? On est sur, ça sera pas bien long, j'ai fini presque pratiquement, M. Boulet. On est sur une bande riveraine. Je me demande, est-ce qu'au niveau riverain, un, c'est respecté? J'imagine que vous avez fait vos doléances. J'espère vous faire confiance, puis je vais attendre une réponse là-dessus. Maintenant, l'abattage de ces arbres-là va assurément causer du dégât. Il va y avoir des infrastructures souterraines. J'espère qu'au niveau des ingénieurs, il y a des comptes rendus qui ont été soumis par l'entrepreneur, parce que c'est pas vrai qu'en abattant ces arbres-là qui sont centenaires, il n'y aura aucune incidence au niveau des mouvements de sol. C'est pas vrai. Fait que s'il faut qu'on fasse faire des études indépendantes, on va le faire. Et si vous avez une étude, j'espère qu'elle ne vient pas juste du contracteur et que vous, comme municipalité, vous avez une étude là-dessus aussi, parce que je vous dis, c'est dangereux. Oui, M. Goulet. C'est pas des dérogations mineures. C'est non. En usage conditionnel. Les dérogations sont mineures. C'est de l'usage conditionnel. Ce secteur-là est en usage conditionnel. Donc, ça n'a rien à voir, là. Il ne faut pas mélanger les choses. L'usage conditionnel, la dérogation mineure, ce n'est pas la même chose. Donc, on n'est pas du tout là. On est en usage conditionnel.
Puis pour juste vous dire, du porte-à-porte de M. Moreau, oui. M. Moreau ne peut pas parler d'un projet qu'on n'est même pas au courant. Les projets sont déposés, et quand les projets sont déposés, le conseil de ville, là, comme tel, quand un projet est déposé, il faut aller dans la légalité. La légalité, c'est quand on commence à l'afficher puis quand on commence à avoir les processus. Et tant que ça ne passe pas d'une assemblée de conseil de ville, il ne peut pas. M. Moreau ne pouvait pas vous parler de ça. Il n'y a pas personne ici qui était s'asseoir qui savait qu'il y aurait un projet comme ça sur une rue. Je vous rappelle. Vous ne l'aviez pas appris ce soir, M. Goulet, là. Soyons sérieux. Moi, c'est des voisins de la terrasse Martineau qui vous en ont parlé. On l'a appris il y a deux mois. Bien, voilà. Moi, comme résidente, j'aurais aimé ça qu'on vienne m'en parler. On ne peut pas vous parler d'un projet qu'un conseil de ville n'a même pas analysé. Alors, vous me dites que ce projet-là a été déposé il y a deux mois et que ce soir, on est en train de statuer sur un gros projet qui a des incidences importantes puis qu'en dedans de deux mois, tout est arrêté. Est-ce que c'est ça que je comprends de ce que vous me dites? Ce projet-là, il y avait déjà celui sur le côté est qui avait été approuvé. Et il y a un nouveau projet qui a été déposé du qu'on côté a ouest. Analysé ce mois ici. OK. Ça, c'est le 24 logements. Oui. OK. Au niveau des bandes riveraines, tout est respecté? Tout est respecté. OK. L'abattage des arbres, il se passe quoi avec ça? Parce qu'il n'y en a plus d'arbres, là. Quand il y a une nouvelle construction, oui. C'est ce que permet l'usage conditionnel. Toute nouvelle construction, il y a des arbres qui se coupent. Je m'excuse, là, mais ma maison où ce que je vis en ce moment, c'était des arbres qu'il y avait là. Et c'est pour ça qu'on a une réglementation pour replanter d'autres arbres. Je pense pas sur Victor Bourgeot qui avait pas d'arbres à l'époque où vos maisons étaient bâties. Non, il y a des arbres centenaires qui sont encore là. Aujourd'hui, de s'offusquer parce qu'il y a un arbre qui se coupe, oui, c'est plate. Oui, on a, en plus, là, on a protégé à peu près 3 boisés. On a fait des réserves foncières pour protéger une presqu'île, pour justement protéger un couvert. Puis c'est pour ça qu'on a de la réglementation. Pour justement que quand il y a une nouvelle construction qui se fasse pour avoir un couvert végétal. Bien, je vais reprendre vos propos à ce moment-là. Si c'est pour ça qu'il y a de la réglementation, pourquoi est-ce qu'on doit déroger à plusieurs réglementations dans ce projet-là? Je m'arrête là-dessus, M. Goulet. Merci. Bonjour, je m'appelle Tommy Lavallée. Je suis résident de Lavaltrie depuis 2 ans. Moi, je suis l'autre voisin sur la 140 Terrasse Martineau à l'arrière du building. Je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter de plus que mon voisin de l'autre rue et que l'ami ici a discuté plus tôt. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des balcons qui vont être directement sur mon terrain aussi. Donc, maintenant, quand je vais aller sur ma terrasse puis que je vais retourner ma tête à droite, bien, je vais avoir un gros building de 24 logements qui va être à ma droite. Moi, ce que j'ai acheté ici, c'est un lieu paisible, tranquille. Puis là, je vais me ramasser avec un gros complexe immobilier juste à côté de chez nous. Je trouve pas ça très, très intéressant. Puis en plus de ça, bien, comme Rémi a mentionné tantôt, il y a la pollution lumineuse aussi. De vérifier peut-être à ce point-là s'il va y avoir des lumières qui vont pointer directement sur mon terrain. Puis ce qu'on peut faire avec les balcons des individus qui vont être là aussi. Lorsque moi, je suis dans ma piscine ou je suis assis sur ma terrasse à l'arrière pour regarder sur mon fleuve que j'ai acheté un terrain que j'aimais beaucoup. Pour les arbres qui vont être plantés aussi, j'imagine, comme Rémi a expliqué, pour la grosseur des arbres, ça serait peut-être le fun qu'il y ait une barrière avec tous ces arbres-là, mais par contre, pour la grosseur exactement, si on plante un arbre de 15 pieds, qui grossit pas plus que ça, parce que le système racinaire vient endommager les fondations, moi, ça change absolument rien chez nous, là. Il reste que je vois le building de 3 étages pareil, là. Ça fait que ça serait le fun de vérifier ça. Puis maintenant, étant donné que ce building-là, avec le stationnement souterrain, va avoir une dérogation mineure de 4 mètres à la place de 6 mètres. S'il y a des endommagements sur mes fondations, à moi, comment ça fonctionne à partir de ce moment-là? Écoutez, c'est pas la première fois là, qu'il y a des constructions avec du souterrain sans endommager les propriétés qui sont à côté. Là, on ne parle pas de dynamitage là, dans ce secteur-là. Mm-hmm. Là. Et c'est pas du dynamitage qu'il va y avoir là, c'est du creusage. Là. Parfait. C'est bien, merci beaucoup. Merci. Donc, Mme Falker, les conditions.
Oui, par rapport à l'usage conditionnel. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'un usage conditionnel tel que présenté, illustré au dossier aussi produit en date du 21 avril. Les conditions, c'est les suivantes. Que la construction des bâtiments et des aménagements extérieurs soit réalisée conformément aux plans qui ont été déposés. Que l'ensemble des exigences réglementaires, donc la bande riveraine, la recharge électrique, les supports à vélo et celles relatives aux servitudes doivent être respectées. Préalablement à l'occupation des bâtiments, que soit consentie à la Ville une servitude d'entretien ou de remplacement des infrastructures d'aqueduc, d'égout et de protection incendie sur une largeur d'au moins 3 mètres de chaque côté de celle-ci et une servitude libre de tout obstacle afin de préserver l'aperçu visuel sur le fleuve dans l'axe de l'accès véhiculaire. Que la bande de terrain destinée au passage piétonnier doit être cédée à la Ville à titre de contribution pour fin de parc. La balance de cette contribution-là va être versée en argent. Les plans devront être approuvés par le service de sécurité incendie préalablement à l'émission du permis de construction. Un plan d'aménagement paysager d'un architecte paysagiste doit être déposé et approuvé préalablement à l'occupation des bâtiments. Ce plan doit comprendre un ouvrage d'atténuation longeant la ligne mitoyenne avec les résidences voisines, selon ce qui est le plus approprié dans l'espace disponible, en vue d'assurer l'intimité des voisins. La phase 1 du projet, donc le bâtiment A, incluant l'accès véhiculaire, l'ensemble des équipements et éléments illustrés au document de présentation et le plan d'aménagement paysager, doit être entièrement réalisé au 31 octobre 2023. La phase 2, le bâtiment B, incluant ses équipements et aménagements extérieurs, doit être réalisé entièrement au 31 octobre 2024. Qu'une attestation soit produite par un architecte paysagiste quant à la réalisation des aménagements illustrés au plan déposé. Un revêtement de toit de couleur blanche doit être installé afin de réduire les îlots de chaleur, ce qui devrait être confirmé par une attestation de l'architecte avant l'occupation des bâtiments. Conformément à l'article 3.35 du règlement de zonage, une attestation d'installation des équipements de recharge de véhicules électriques doit être produite par un maître électricien avant l'occupation des bâtiments. Une étude préparée par un ingénieur qui démontre le mode d'évacuation et de rétention des eaux pluviales doit être approuvée préalablement à l'émission des permis de construction. Préalablement à l'occupation des bâtiments, une attestation de l'ingénieur devra être déposée indiquant que lesdits travaux d'évacuation et de rétention des eaux ont été réalisés conformément à la dite étude. Puis on pourrait ajouter à ce moment-là comme condition une étude par rapport à l'éclairage. Pour l'éclairage, on va les rajouter comme condition. Au niveau des dérogations mineures, je propose que le conseil municipal accepte également la demande de dérogation mineure telle que présentée. Donc, voilà. Proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Rangé, à ma gauche. Oui. Oui. À ma droite. Oui. Monsieur Moreau. Non. OK. Les autres, c'est bon? Oui. Oui, OK. Excusez-moi. Monsieur Moreau, est-ce que vous avez... Monsieur Moreau, votre compte. Compte. 413, demande d'autorisation de démolition, 140 rue des Mers. Oui, donc on suit le même dossier. Donc le conseil municipal a été saisi d'une demande d'autorisation de démolition présentée par Groupe Immobilier Casa. Le projet vise la démolition de l'immeuble situé au 140 rue des Mers. L'utilisation projetée du sol dégagé suite à la démolition de cette habitation unifamiliale vise la construction d'un projet intégré d'habitation multifamiliale. Le bâtiment, il n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de la MRC de Dautré. Et le conseil municipal, après étude de la demande et analyse du dossier concernant la démolition d'immeubles, entend accorder l'autorisation de démolition. Donc, je propose que le conseil autorise la démolition de l'immeuble situé au 140 rue des Mers. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Rangé, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 414, demande de dérogation mineure, chemin Georges. Madame Falker. Le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par messieurs Simon Chevrette et Pascal Savard. La demande est là pour but de construire un bâtiment sur le lot 3 161 687
sur le chemin Georges, qui présente les aspects dérogatoires suivants. Donc, la marge avant, elle est de 6,1 mètres au lieu de 7,5 mètres. La marge de recul arrière est de 6,12 mètres au lieu de 7,5 mètres. Et la superficie du lot est de 2 956,7 mètres carrés au lieu de 3 000, tandis que sa partie la plus profonde est de 23 mètres au lieu de 30 mètres. Le conseil, là, après avoir analysé le dossier, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de rejeter la demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Juste savoir, c'est bien où c'est l'ultramar, ça, pas loin de l'autoroute. Exactement. Madame Fracard. Donc, je propose que le conseil municipal rejette la demande de dérogation mineure relative au lot sur le chemin Georges présenté par M. Chevrette et Savard. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 415, demande de dérogation mineure, 86 rue Marc. Monsieur le maire, comme je suis le voisin immédiat de ce projet, et comme j'ai fait lors de la discussion que nous avons eue sur ce projet, je vais me retirer de ce point. Parfait. Donc, M. Guévremont se retire. Il faut expliquer aux gens quand il y a une dérogation et il y a un conseiller qui est impliqué. Évidemment, quand on fait nos délibérations, il ne fait pas juste reculer sa chaise. Il change de pièce. Donc, Mme Falker. Donc, le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Jocelyn Lanteau. La demande est là pour but d'agrandir le bâtiment principal situé au 86 rue Marc à une distance de 6,75 mètres de la ligne de terrain arrière au lieu de 7,5 mètres, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage. Le conseil municipal, après l'analyse du dossier, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Madame Falker. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 86 rue Marc, à condition que les travaux soient conformes aux plans qui ont été déposés. Donc, aucune ouverture prévue sur le mur arrière, puis que les revêtements extérieurs s'harmonisent avec ceux de la maison. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 416, demande de dérogation. Oui, vous pouvez réintégrer. 416, demande de dérogation mineure, 181, terrasse Villeneuve. Donc, le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par M. Louis-Philippe Lachance. La demande a pour but de construire un garage annexé au bâtiment principal situé au 181 terrasse Villeneuve, qui présente les aspects dérogatoires suivants au règlement du zonage. Donc, la marge de recul avant, elle est de 5,2 mètres au lieu de 6, et la superficie est de 100 mètres carrés au lieu de 81. Au niveau du conseil municipal, après l'analyse du dossier, on est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande, mais avec des conditions. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre cette dérogation mineure? Madame Falker. Donc, je propose que le conseil accepte la demande de dérogation mineure relative au 181 terrasse Villeneuve, à la condition que les travaux soient conformes aux plans qui ont été déposés. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 417, demande de dérogation mineure, 86 rue de la Paix. Mme Falker. Le conseil a été saisi d'une demande présentée par Jacob Bélanger-Thibault. La demande est là pour but de construire une habitation unifamiliale à une distance de 4,7 mètres de la ligne de terrain arrière au lieu de 5,5 mètres, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage. Le conseil municipal, après l'analyse du dossier, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre cette dérogation mineure? Madame Falker. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au 86 rue de la Paix, à condition que les travaux, effectivement, comme dans l'autre cas, soient conformes aux plans qui sont déposés. Donc, proposé par Madame Falker, appuyé par Madame Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui.
418, demande d'autorisation d'usage conditionnel EPIIA 23 et 27, chemin Lavaltrie. Donc, on a été saisi d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel présenté par M. Martin Brousseau. La demande, elle a pour but d'aménager au 23 à 27 chemin de Lavaltrie un logement à l'étage du bâtiment et de modifier l'aire de stationnement de manière à ajouter 6 cases de stationnement, dont 2 en cours avant. Le projet proposé respecte les critères d'évaluation du règlement sur les usages conditionnels. Le projet implique la modification du plan d'aménagement extérieur qui avait été approuvé en PIA lors de la construction de l'immeuble. Le critère du PIA visant la préservation en cours avant d'espace pour des aménagements paysagers. C'est un projet qui a reçu aussi une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, mais encore là avec conditions. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation, pour cet usage conditionnel? Et non, Mme Falker. Donc, je propose que le conseil accepte la demande d'autorisation de l'usage conditionnel relative au 23-27 chemin de Lavaltrie, qui vise l'ajout d'un logement à l'étage avec les conditions suivantes. Donc, que la cour avant elle soit aménagée conformément au plan de PIA qui a été approuvé lors de la construction du bâtiment, c'est-à-dire en retirant l'aire de stationnement qui est là présentement au profit d'un engazonnement ou d'un aménagement paysager, puis que l'aire de stationnement en cour arrière soit agrandie par l'ajout d'au moins 4 cases de stationnement. On comprend qu'il n'y a pas nécessairement de délai. Le propriétaire va saisir l'opportunité là, des travaux qui vont être faits là, pour se connecter et pouvoir par la suite là, faire l'aménagement de ces stationnements. Okay. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Rangé, à ma gauche, oui. À ma droite. Oui. 419, demande d'autorisation d'usage conditionnel, chemin de Lavaltrie. Mme Falker. Donc, on a été saisi d'une demande d'autorisation d'un usage conditionnel présenté par Filtrac Transport, l'entreprise spécialisée dans le transport de produits de bitume à l'aide de remorques citernes vise à implanter son bureau administratif et un atelier pour entretien des véhicules sur le lot 6 336 308. Donc, on est à proximité là, du garage de la station-service Ultramar là, près du domaine. Le projet qui est proposé respecte les critères d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels. Il a également reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme avec des conditions. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande d'usage conditionnel? Madame Falker. Donc, je propose que le conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'un usage conditionnel présenté par Filtrac Transport aux conditions suivantes. Donc, que les activités ne se limitent qu'à du stationnement en cour arrière, à l'entretien des véhicules dans le garage ainsi qu'à l'administration de l'entreprise. Que la cour avant soit aménagée comme illustré au plan déposé, c'est-à-dire avec un accès véhiculaire d'une largeur maximale de 6 mètres localisé à l'extrémité gauche, ainsi qu'un aménagement paysager couvrant le reste de la cour et composé d'au moins 4 arbres, puis qu'il n'y ait aucune porte de garage sur la façade principale du bâtiment. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Rangé, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 410, demande de modification du PIIA 561 et 571, rue Notre-Dame. Mme Falker. Oui. Le conseil a été saisi d'une demande de modification au plan approuvé en PIA en octobre 2020 par la résolution numéro 2020-1006 présentée par le groupe EVEX. Les modifications ont pour but de régulariser certains aspects extérieurs des deux habitations multifamiliales récemment construites au 561-571 rue Notre-Dame. Donc, c'était des éléments qui ne respectaient pas le plan initial. Donc, les propositions qui ont été faites là, respectent les objectifs et les critères du règlement PIA. Donc, le promoteur va devoir faire les correctifs nécessaires. Et puis, le projet a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal approuve la deuxième proposition illustrée au dossier numéro 20-001, daté d'avril 2022, relatif au 561-571 rue Notre-Dame, tel que présenté. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Rangé, à ma gauche, oui. À ma droite. Oui. 4.2, approbation, lotissement et dérogation mineure, chemin Bois-Joli. Mme Falker.
Le conseil a été saisi d'une demande de permis PIA de lotissement présentée par M. Marcel Labelle. Le projet a pour but d'aménager sur le lot 3 666 467, qui est le chemin Bois-Joli, une rue bordée de lots constructibles, ce qui est permis dans le secteur. Le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure à l'égard de ce même projet-là, relativement à deux lots présentant une largeur de 19,88 mètres et de 30 mètres, ce qui déroge aux 50 mètres requis là, en façade. Les plans de construction respectent les objectifs et les critères du règlement sur les PIA. Et au niveau du conseil, après l'analyse du dossier, on est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la demande. Donc, suite à la parution de l'avis public relatif à cette dérogation mineure puis ce lotissement, aucune personne intéressée ne s'est manifestée. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Madame Falker. Donc, concernant le permis PIA pour le lotissement, je propose que le conseil municipal approuve les plans du projet produit par FNX Innov, daté du 30 juin 2021. Relatif au lot qui a été présenté sur le chemin Bois-Joli. Pour la dérogation mineure, je propose également que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure là, relative à ce projet-là. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Rangé, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Oui. Non. Et c'est très dérangeant, je suis d'accord avec vous. Oui. J'en ai pas. Mais certainement, effectivement, c'est très dérangeant. Bien, c'est probablement, c'est pour la rencontre qu'après. Donc, on va attendre que M. Tremblay revienne. On a une petite réunion après pour... les entrepreneurs et les gens pour l'urbanisation de la 131. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui se sont rajoutées dans la salle. Merci, M. Tremblay. Ça n'a pas été trop difficile? Non, je suis sorti mes gros mots. Donc, 4.3, demande d'autorisation à la CPTAQ, alignation d'un lot. Madame Falker. Oui, le conseil municipal a procédé à l'étude d'un dossier portant sur une demande d'aliénation de deux lots d'une superficie de 23,03 hectares présentée par M. Marc Saunier pour l'entreprise 94-10-62-83 Québec Inc. à la Commission de la protection du territoire agricole. Donc, l'aliénation vise à consolider son entreprise, donc on parle d'un volet agricole. La demande d'aliénation à la CPTAC, comme on dit en résumé, n'engendre pas d'impact négatif sur les activités agricoles dans le secteur. La demande qui est déposée à la CPTAQ vise à autoriser l'aliénation des lots et c'est conforme au règlement d'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal appuie la demande d'aliénation de ces lots présentés par M. Marc Saunier à la Commission de protection du territoire agricole. Je propose aussi que le conseil municipal porte à l'attention de la Commission qu'il y a des bâtiments autres qu'agricoles qui ont été construits sans avoir préalablement été approuvés par la CPTAQ sur le lot 5,641,308 qui appartient à M. Marc Saunier et qui est accessible par le lot qui est visé par la demande. Donc, le conseil, je propose aussi que le conseil municipal porte à l'attention du service d'évaluation de ces bâtiments construits sans permis qui doivent être ajoutés au rôle d'évaluation de la ville. Donc, je le propose. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Rangé, à ma gauche, à ma droite. Oui. 4.1.4, dépôt du certificat d'absence de demande de participation à un référendum pour le règlement sur les gazebos, les conteneurs et les rues en impasse. Donc, il y a eu, c'est juste un dépôt, il n'y a eu aucune demande. C'est le règlement qu'on adopte par la suite. Donc, 4.5, adoption du règlement, gazebo, conteneur et rue en impasse. Madame Rangé. Donc,
Suite à l'avis de motion, là, c'est maintenant le temps d'adopter le règlement. Ce règlement-là vise les conteneurs semis enfouis en cours avant, qui seraient permis. Les rues en impasse, dans notre règlement, il y avait certaines règles et conditions. Là, il n'y en aura plus et ça va être jugé cas par cas, ainsi que la grandeur des gazebos, qui va être augmenté de 18 à 21, qui sera permis. Fait que les gens n'auront pas besoin de demander une dérogation mineure à chaque fois. Donc, la proposition se dirait comme suit, que le conseil municipal adopte le règlement numéro 306-2022 intitulé « Règlement modifiant le règlement de lotissement et le règlement de zonage dans le but d'apporter certaines modifications applicables aux contenants en matière résiduelle, aux gazebos et aux rues en impasse telles que déposées. » J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par Mme Falker. Personne ne m'appuyait. Personne. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. Parfait. 4.6, adoption du second projet de règlement, règlement modifiant diverses dispositions du règlement de zonage, quadruplex, héritage du roi, dont on a eu une petite séance de consultation avant notre séance du Conseil de ville, Mme Rangé. C'est Mme Falker. C'est Mme Falker. Ah. C'était ma petite ben oui, pause. Je l'avais en j'avais une petite pause de prévu. Merci, il y avait quelqu'un de deux pour me mélanger. Oui, en fait, c'est pour adopter le second projet de règlement qui modifie diverses dispositions. Bon, on l'a dit dans le titre là, concernant le projet Héritage du roi. Si on se souvient, là, pour ceux qui n'ont pas assisté à la rencontre, le projet de règlement il a pour effet dans la zone R178 sur un terrain d'une profondeur inférieure à 28 mètres de fixer à 5,30 mètres la marge de recul arrière d'un bâtiment principal et de fixer à 30 cm la distance minimale entre une remise et une ligne de terrain. Ça a l'air petit, mais il faut comprendre que c'est adossé là, au terrain de l'école primaire. Donc, c'est de moindre impact. Puis l'autre élément, c'était de permettre là, dans les zones R173, R175 et R178 de construire deux habitations multifamiliales identiques sur des terrains contigus en façade d'une même rue. Donc, initialement, on souhaitait avoir des bâtiments différents. Le promoteur a proposé une formule avec des bâtiments identiques de style farmhouse. Là. Donc, c'était à notre goût également, donc on accepte. Voilà. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Oui. Les points 5, travaux publics. 5.1, autorisation de signature, mandat, arpenteur et notaire, bouclage du réseau d'aqueduc. M. Tremblay. Donc, c'est un mandat qu'on va donner aux arpenteurs et aux notaires pour venir boucler le réseau, et ce, sur la rue Arcan, au bout de la rue Arcan. Il faut comprendre que Arcan, l'Espérance, Turnbull, en fait, Turnbull continue, mais Arcan, l'Espérance, c'est des fins de ligne. C'est jamais bon une fin de ligne sur un réseau d'aqueduc. Là, on va venir boucler, on va aller chercher de Arcan et on va passer à travers les champs agricoles qui sont là, puis on va aller chercher jusqu'à Saint-Jean-Sud-Ouest, qui se termine en impasse aussi. Ça va venir boucler notre réseau, donc stabiliser un petit peu la pression au niveau du réseau et donner une redondance. Donc, le conseil municipal autorise M. Marc-Olivier Brault, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville dans ce dossier-là. C'est l'entente de principe à venir avec l'entreprise Les Vallons Inc. relativement à une servitude, c'est vrai. Évidemment, qui dit bouclage, ce sont notre service d'aqueduc qui va passer là, donc ça prend une servitude à la Ville et une servitude de construction et d'entretien de la conduite de bouclage. Que le mandat soit donné à Pascal Guilbeault, arpenteur géomètre, de réaliser la description technique de l'assiette de la servitude nécessaire à la construction. Que le mandat soit donné également à Maître Adélard Étier de préparer l'acte de servitude ainsi que les documents relatifs à l'adaptation auprès de la CPTAQ ou la CPTAC des autorisations nécessaires à la construction. Donc, j'en fais la proposition. Les frais et les honoraires sont dans frais juridiques et notaires. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. CPTAQ pour les gens, hein? Commission de la protection du territoire agricole du Québec. CPTAQ. 5.2, municipalisation, phase 4, héritage du roi. Monsieur Tremblay. Bien, c'est le développement qui continue. On est rendu à la phase 4, donc ça concerne ça.
le prolongement des rues Georges-Étu et Pierre-Brault. Donc, mandat soit donné à Maître Madeleine, oui, Laporte, du bureau Laporte et associé de notaire, de préparer le contrat d'acquisition de ces lots, que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville. Les frais sont dans frais juridiques et notaires, encore une fois. Et la phase de municipalisation, là, c'est quand on est à la fin du projet et que les infras, donc les rues, sont transférées à la Ville. Donc, on est rendu à cette étape-là. C'est la quatrième phase là, du projet Héritage du Roi. Et il faut qu'il y ait suffisamment de travaux là, et que les routes respectent certaines normes pour que la Ville en prenne possession. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévran. Ah, M. Pellerin. Donc, M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Parfait. Les points 6, culture et patrimoine, 6.1, demande d'officialisation, domination de parc et d'une rue. M. Moreau. Donc, en cette année du 350e anniversaire de la Ville de Lavaltrie, nous voulons reconnaître un peu de notre histoire, dont certains mandataires de notre ville. Attendu que le conseil municipal a mandaté le comité de toponymie pour recevoir des propositions visant à modifier la domination de certains parcs. Attendu que les changements de dénomination proposés sont les suivants. Parc de la rue Rose par le parc Simon-Martineau. Simon. Le parc Simon-Martineau, c'était le docteur Simon Martineau, est né à Lavaltrie le 14 novembre 1844. Il pratique sa profession tout en s'intéressant à l'administration de la municipalité de la paroisse Saint-Antoine de Lavaltrie. Il est conseiller municipal de 81-82, maire de 83-91, puis secrétaire trésorier de la municipalité de 1892 à son décès 1918. Il sauve les registres des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse lors de l'incendie qui détruit complètement le presbytère le 31 décembre 1910. Il décède le 25 janvier 1918 à l'âge de 73 ans. Parc de la Colombe par le parc Joseph Villeneuve. Monsieur Joseph Villeneuve est né le 23 janvier 1896 dans la paroisse de Saint-Charles-Borromée à Joliette. Il est maire du village de Lavaltrie pendant 21 ans, soit le 15 mai 1935 à sa démission le 5 juillet 1956. Il fonde en 1929 avec Jean-Baptiste Perrault, une importante manufacture de chaussures connue sous la raison sociale P&V Shoes MFG.co, qui donne le travail à des dizaines de résidents jusqu'à son incendie en 1954 et décède le 31 mai 1995. Parc Saint-Antoine par le parc Pierre Pelletier. Né à Lavaltrie le 4 décembre 1884, Pierre Pelletier est le maire de la municipalité de la paroisse de Saint-Antoine de Lavaltrie, de janvier 1931 jusqu'au moment de son décès, survenu le 2 avril 1954 à l'âge de 69 ans. Il est élu municipal qui s'occupe le plus longtemps de la charge du maire de la paroisse de Lavaltrie, soit pendant plus de 23 ans. Il a de plus été conseiller municipal en 1919, 20 et 25. Le parc des riverains par le parc Pierre Kem. Né le 18 octobre 1938 à Trois-Rivières, Pierre Kem s'est établi à Lavaltrie en 1975. Il est maire de la municipalité de la paroisse Saint-Antoine de Lavaltrie du novembre 1995 à novembre 1999. Il fut également notaire. Très impliqué dans son milieu et soucieux de la préservation du patrimoine, Pierre Kem est un des fondateurs de la Société d'histoire et du patrimoine de Lavaltrie en juin 2013. Il décède le 28 décembre 2020 à l'âge de 82 ans. Place Jolibourg par la rue Henriette Beaujoly. Madame Henriette Beaujoly-Latour est la fille de Élisée Beaujoly et de Florian Leclerc. Elle épouse le 27 septembre 1952 à Lavaltrie, M. Gérard Latour. Elle est la première femme à se faire élire membre du conseil municipal à Lavaltrie. Elle est élue conseillère municipale du village de Lavaltrie en 1975 et occupe cette charge jusqu'en 1983. Elle décède le 3 mars 2019 à l'âge de 91 ans. Dans les prochains mois et les prochaines années, il y aura d'autres nominations pour faire reconnaître un peu notre histoire à Lavaltrie. Attendu que les nominations proposées ne font l'objet d'aucune forme de controverse et ne créent aucune confusion en la toponymie, que le conseil municipal approuve les nominations proposées par le comité de toponymie pour certains parcs et rues et qu'une demande d'officialisation de ces noms soit déposée à la commission toponymie du Québec. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot.
Madame Charlot Mirand, fait que, tu sais... Oui, oui, rappelle-moi comme les deux fonds. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. Oui. 6-2, Office québécois de la langue française, modification de nom de rue. Monsieur Moreau. Donc, l'Office québécois de la langue française nous demande de revoir les noms de rue, la francisation de la langue française. Donc, dans le fond, on a regardé la volonté du conseil municipal de la ville de La Veltrie de simplifier le processus en modifiant uniquement le générique rue au lieu de la place ou boulevard, les voies de circulation ciblées. Entendu qu'en ce qui concerne la place Jolibeau, il n'est pas possible de seulement modifier le générique étant donné la présence sur le territoire de la rue Jolibeau. Entendu la recommandation du comité de toponymie à l'effet de remplacer la place Jolibeau par la dénomination de la rue Henriette-Beaujoli, que la ville de La Veltrie modifie le générique des voies de circulation suivantes. Rue Giguère en remplacement de la place Giguère, rue du Golfe en remplacement de la place du Golfe, rue Jean-Boisvert en remplacement du boulevard Jean-Boisvert, rue des Marronniers en remplacement de la place des Marronniers, rue Henriette-Beaujoli en remplacement de la place Jolibeau. Que ces modifications ne soient effectives qu'à la suite de l'approbation par la Commission de toponymie du Québec et de la dénomination proposée par la rue Henriette-Beaujoli et à la transmission d'un avis qui modifie aux propriétaires des immeubles ainsi qu'à instances organismes concernés. Que la copie de la présente résolution soit transmise à l'Office québécois de la langue française. J'en fais la proposition. Donc, proposée par M. Moreau, appuyée par Mme Charlot à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Évidemment, cette demande de modification vient de l'Office de la langue française qui nous demandait de nous conformer. Donc, parce qu'on avait déjà eu des avis. Ouais, on avait déjà eu des avis, donc on a décidé de se conformer. 6.3, autorisation de signature, entente de service avec les navettes fluviales de M. Marc Saunier, Mme Rangé. Donc, c'est dans le cadre du 350e de La Veltrie qu'une entente de service a été faite entre la ville de La Veltrie et les navettes fluviales Marc Saunier pour le service de navettes entre La Veltrie et Contrecoeur à l'été 2022, et ce, tout à fait gratuitement pour les citoyens de La Veltrie. Donc, ça serait du 8 juillet au 23 août que les citoyens pourraient prendre la navette et aller à Contrecoeur. Donc, la proposition se lirait comme suit, que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliers, directrice du service des loisirs, de la culture et des relations avec la communauté, à signer, pour et au nom de la ville de La Veltrie, l'entente de service entre les navettes fluviales Marc Saunier relativement à l'offre de service de navettes entre La Veltrie et Contrecoeur du 8 juillet au 23 août 2022. Alors, j'en fais la proposition, M. Moreau. Donc, proposée par Mme Rangé, appuyée par M. Pellerin. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 6.4, autorisation de signature, entente pour la diffusion des événements, rythmes et courants 2022. Mme Rangé. Donc, la Ville de La Veltrie collabore depuis plusieurs années avec la coopérative de solidarité du café culturel de la Chasse-Galerie pour la diffusion des événements rythmes et courants. C'est sûr que pour le 350e, une offre de diffusion bonifiée a été déposée. Surveillez les annonces des artistes qui viendront se produire à La Veltrie. Ça risque d'être très, très, très intéressant. Donc, la proposition se lirait comme suit, que le conseil municipal accepte la proposition de diffusion des événements, rythmes et courants de la coopérative de solidarité du café culturel de la Chasse-Galerie au montant de 80 000 $ avant les taxes, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire soutien à la diffusion culturelle, que le conseil municipal autorise Mme Nathalie Desalliers a signé pour et au nom de la Ville de La Veltrie le protocole d'entente à intervenir avec la Chasse-Galerie pour la réalisation des événements rythmes et courants 2022. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 6.5, demande de soutien financier, coopérative du Café culturel de la Chasse-Galerie, amélioration locative. Mme Rangé. Donc, attendu que la Ville de La Veltrie a été saisie d'une demande d'aide financière pour la réalisation d'améliorations locatives
pour la coopérative du café culturel de la Chasse-Galerie. La demande a pour but d'aménager une terrasse extérieure, donc ici, là, sur, en avant, une terrasse extérieure en façade du bâtiment. L'installation d'un système de climatisation temporaire dans l'église parce qu'il fait chaud pas à peu près l'été et la construction de salles de toilettes supplémentaires puisque lors de spectacle, il n'y a seulement qu'une salle de bain disponible en arrière, alors ça fait des files d'attente. Donc, attendu la volonté du conseil municipal de la ville de la Valtrie d'accepter partiellement la demande de soutien financier, il serait proposé que le conseil municipal de la ville de la Valtrie accorde une aide financière maximale de 35 000 $ représentant 100 % des coûts reliés à l'aménagement de la terrasse et de l'installation du système climatisation et de 50 % des coûts relatifs à la construction des salles de toilettes supplémentaires, que ce montant soit déboursé sur présentation de pièces justificatives et soit assumé par le poste budgétaire projet spécial. Voilà, M. le maire. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par M. Guévremont, à ma droite. Oui. Oui. À ma gauche. Oui. Les points 7.7.1, on est en environnement, droit de visite des fonctionnaires désignés, plan de gestion des milieux humides et boisés, ressources externes. Mme Charlot. Oui, donc ici, l'objectif, c'est d'établir un petit peu de quoi sont composés nos milieux humides et nos boisés pour pouvoir les caractériser, pour pouvoir les suivre aussi dans le temps, puis les classer selon, dans le fond, leur richesse écologique et d'être capable de les protéger comme il faut. Donc, attendu que la ville de la Valtrie réalisera un plan de gestion des milieux humides et des boisés dans le but de faire l'acquisition de connaissances sur les milieux naturels situés à la Valtrie et d'établir les priorités de conservation des milieux à plus haute valeur écologique et sociale. Attendu que la réalisation de ce plan comprend des activités d'inventaire sur le terrain afin d'acquérir des connaissances sur la faune et la flore présentes à la Valtrie. Attendu que la ville mandate le groupe Hémisphère pour réaliser le plan de gestion et que des activités d'inventaire sont planifiées pour certains milieux humides et boisés ciblés et que 500 hectares de milieux naturels vont être visités. Attendu l'article 2.3 du règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme numéro RRU5-2012. Donc, je propose que le Conseil en fasse l'approbation. Parfait. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 7.2, autorisation de signature, bail d'accès public. Qui municipal? Madame Charlot. Oui, donc le conseil municipal autorise M. Marc-Olivier Brault, directeur général, à signer pour et au nom de la ville de la Valtrie le bail d'accès public avec la direction de la gestion du domaine hydrique de l'État du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec relativement à la location de l'espace nécessaire à l'implantation des quais flottants qui seront localisés aux deux descentes de bateaux du quai municipal de la Valtrie. Donc, que le Conseil confirme que ces lieux sont utilisés à des fins non lucratives qui favorisent l'accès du public au fleuve Saint-Laurent. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 7.3, nomination officier responsable, règlement de fourniture et d'utilisation de l'eau potable, Mme Charlot. Donc ça, c'est pour faire suite dans le fond au règlement municipal que l'on a fait dernièrement sur l'arrosage. Donc ça nous prend des personnes pour faire respecter ce règlement. Donc le conseil municipal de la ville de la Valtrie, comme messieurs Danny Rivard et Raphaël Groslot, à titre d'officier responsable de l'application du règlement concernant la fourniture et l'utilisation de l'eau potable, incluant l'émission de constat d'infraction le cas échéant. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Les points 8, administration, ressources humaines et financières. 8.1, nomination, personnel salarié régulier à temps complet, coordonnatrice du programme en loisirs. M. Moreau. Donc, suite à la recommandation de la directrice des ressources humaines, Mme Karine Brousseau, de retenir la candidature suivante, que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Janie Lauzon au poste régulier à temps complet de coordonnatrice du programme en loisirs et au service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté. Que cette nomination soit effective à compter du 2
fin 22 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 6 de la fonction de la coordonnatrice du programme en loisirs. Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en vigueur. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Rangée, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 6.2, embauche et nomination personnel, personne salariée régulière à temps partiel, horticultrice. M. Moreau. Donc, entendu la recommandation de la directrice des ressources humaines, Mme Karine Brousseau, de retenir la candidature suivante. Que le conseil municipal procède à l'embauche et à la nomination de Mme Geneviève Hébert au poste régulier à temps partiel d'horticultrice au service des travaux publics. Que cette nomination soit rectifiée à compter de l'entrée en fonction de Mme Hébert, soit le 25 avril 2022, et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 4 de la fonction de celle-ci. Que Mme Geneviève Hébert soit soumise à une période d'essai de 1040 heures travaillées. Que les conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Rangée, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 8.3, nomination personnel salarié régulière à temps complet, agent en urbanisme et inspecteur en bâtiment. M. Moreau. Donc, attendu la recommandation de la directrice des ressources humaines, Mme Karine Brousseau, de retenir la candidature suivante. Que le conseil municipal procède à la nomination de M. Gaël Beauchamp au poste régulier à temps complet d'agent en urbanisme et inspecteur en bâtiment au service de l'urbanisme. Que cette nomination soit effective à compter du 2 mai 2022 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 7 de la fonction d'agent en urbanisme et inspecteur en bâtiment. Que le conseil municipal confie à M. Gaël Beauchamp le droit de visite des fonctionnaires désignés prévus au règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Que M. Gaël Beauchamp soit soumis à une période d'essai de 3 mois. Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Rangée, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 8.4, nomination personnel salarié régulier à temps complet, technicien en documentation. M. Moreau. Donc, attendu la recommandation de la directrice des ressources humaines, Mme Karine Brousseau, de retenir la candidature suivante, que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Nathalie Audet au poste régulier à temps partiel de technicienne en documentation, services et loisirs de la culture et de relations à la communauté. Que cette nomination soit effective à compter du 10 mai 2022 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 6 de la fonction de technicienne en documentation. Que Mme Nathalie Audet soit soumise à une période d'essai de 3 mois, que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en vigueur. Donc, j'en fais la proposition. Proposée par M. Moreau, appuyé par Mme Rangée, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 8.5, embauche et nomination agent en urbanisme et inspecteur en bâtiment. M. Moreau. En fond, suite à ce poste vacant, les besoins exprimés par le service de l'urbanisme et la recommandation de la directrice des ressources humaines, attendu la recommandation de Mme Brousseau de retenir la candidature suivante, que le conseil municipal procède à la nomination de M. Thierry Hossin au poste régulier à temps complet d'agent en urbanisme et inspecteur en bâtiment au service de l'urbanisme. Que cette nomination soit effective à compter du 24 avril 2022 et que la rémunération soit celle prévue à la convention collective à l'échelon 5 de la fonction d'agent en urbanisme et inspecteur en bâtiment. Que le conseil municipal confie à M. Thierry Hossin le droit de visite des fonctionnaires désignés prévus au règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. Que M. Thierry Hossin soit soumis à une période d'essai de 910 heures, que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Rangée, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Oui. Donc, 8.6, les trois postes là, qui viennent d'être nommés, service d'inspection et également coordonnatrice technicienne en documentation, c'est suite à des départs. Donc, 8.6, embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur général. Donc, évidemment, c'est tout simplement des animateurs de camp de jour, principalement. Les sauveteurs, manœuvres, parcs et bâtiments, puis évidemment, bien, c'est la démission là,
du personnel de la personne qui était à la bibliothèque, également deux personnes qui se trouvaient à l'urbanisme, qu'on vient d'en trouver d'autres, les remplacer. Donc, c'est seulement un dépôt. 8.7, proclamation semaine de la santé mentale. Madame Rangé. Donc, comme on sait, la pandémie a fait ressortir plein de problèmes de santé mentale et donc il faut prendre soin les uns les autres. Donc, vous me permettrez, M. le maire, de tout faire les attendus parce que c'est important. Donc, attendu que la semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022. Que l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l'importance de l'empathie. Nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie. Tandis que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, et qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. Donc, la proposition se lirait comme suit, que le conseil municipal proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022, Semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à hashtag parler pour vrai, et à partager la trousse d'outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l'empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. J'en fais la proposition, monsieur. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. Oui. À ma gauche. Oui. 8.8, ratification, autorisation de participation, dîner-conférence, développement durable. Madame Rangé. Donc, le conseil municipal ratifie l'autorisation pour M. le maire, Christian Goulet, et M. le conseiller Jocelyn Guèvremont à participer au dîner-conférence CAP sur un développement régional durable. Le dîner a eu lieu le 11 avril à l'hôtel Château-Joliette. Que les frais de participation soient assumés par la Ville ainsi que les frais de déplacement le cas échéant, sur présentation de pièces justificatives. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 8.9, autorisation de signature, entente Bell 911. Mme Rangé. Donc, que le conseil municipal autorise M. Marc-Olivier Brault, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de la Valtrie l'entente avec Bell relativement au service 911-PG de nouvelle génération. Donc, c'est une formalité. Oui, effectivement. Donc, proposé par Mme Rangé, appuyé par M. Guèvremont, à ma droite, oui. À ma gauche. Oui. 8.10, adoption de la politique de gestion intégrée et des documents et leur numérisation. C'est aussi assez administratif. Hein? Madame Rangé. Effectivement, que le conseil municipal adopte la politique de gestion intégrée des documents et leur numérisation, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je ne vous lirai pas toute la politique, là, est assez... sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que ça respecte la loi. Et nous avons revu la politique... Et nous sommes conformes à ce que la loi nous demande. Voilà, j'en fais la proposition donc, d'adoption. Donc, proposée par Mme Rangé, appuyée par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 8.10, adoption du règlement d'emprunt, acquisition de véhicules. M. Tremblay. Ouais, je vais lire le règlement, puis je vais donner des détails après. Donc, le conseil municipal adopte le règlement décrétant le remplacement et l'acquisition de véhicules pour un emprunt de 1 500 000 tel que déposé. Sur un budget quand même de 22 millions, là, on l'a vu dans le début de rencontre, 1,5 million, c'est substantiel. Je vais faire une parenthèse, puis je vais vous dire que depuis 8-9 ans, là,
souvent, à la fin d'un budget, on analyse le PTI, qui est le plan là, de remplacement de nos véhicules, puis de tous les... Et souvent, le constat, c'est « Ah, on est serré, on va le toffer. » Et là, on en a discuté, puis on va changer cette orientation-là. On avait une durée de vie de nos véhicules qui frôlait le 10 ans. Ça a été réduit à 8 ans. Mais encore une fois, je répète que c'est plus ou moins respecté. Et ça, c'est la responsabilité du conseil, carrément. Et là, je la joue en toute transparence. Là. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Et on s'est doté d'une nouvelle façon de voir qui va viser maintenant au maximum un 7 ans à 8 ans. De remplacement de nos véhicules, ça va limiter les frais de remplacement de pièces, d'entretien des véhicules, et ça va faire en sorte qu'on n'est pas pris dans l'urgence un petit peu comme on l'est là. Et là, je vais rajouter une couche à la transparence, je vais même aller jusqu'à définir chacun des achats qu'on fait pour expliquer le 1,5 million. Donc, remplacement d'une camionnette hors service, elle est non fonctionnelle présentement. Remplacement d'une camionnette année 2007. Donc là, 2007, vous comprenez qu'on est pas mal passé le 10 ans. C'est fin de vie utile. Acquisition de deux camionnettes pour pallier à l'augmentation du nombre d'employés. Ça aussi, la ville est en pleine transition, donc en pleine expansion. Plus d'employés, donc on achète deux nouvelles camionnettes. La ville loue actuellement des camionnettes, donc des frais de location, là, ça commence à s'accumuler et c'est pas intelligent d'y aller comme ça. Et en passant, cette analyse-là, elle a été faite par le service des travaux publics. On a loué un certain moment et l'analyse financière de tout ça a été faite conjointement avec la trésorerie et le service des TP. Remplacement, camion six roues. Oui, c'est merci. Remplacement d'un camion 6 roues pour un camion 10 roues. La ville est rendue là, le 6 roues roule vraiment, vraiment beaucoup et pas tout à fait adéquat pour les travaux qu'on en fait. Donc, on le remplace par un camion 10 roues. Les coûts sont substantiels, mais on pense aussi qu'à travers les années, ça va largement se bonifier le service. Remplacement d'un chargeur sur roue, fin de vie utile. Remplacement d'un tracteur de ferme pour un chargeur sur roue. Chargeur sur roue, là, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est un loader. Là. Donc, c'est un chargeur. C'est un loader. Fait que moi, quand j'ai lu ça, je vais être bon. Ouais, bon. Remplacement d'un tracteur à gazon, fin de vie utile aussi. Acquisition d'un nouveau tracteur à gazon, encore une fois, pour pallier à l'augmentation du nombre d'employés. Bon, les tracteurs à gazon ne se promèneront pas sur la route comme ça. Donc, nouvelle remorque pour les tracteurs à gazon. Et finalement, remplacement d'une faucheuse qui, elle, spectaculairement, date des années 90, donc 97. Elle était en fin de vie utile. Et c'est une nouvelle faucheuse qui va s'adapter au loader dont je parlais tout à l'heure. Donc là, vous avez le détail du 1,5 million. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Charlot. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. Oui. 8.12, adoption du règlement, code d'éthique et de déontologie des élus. Mme Ranger. Donc, le code d'éthique a été expliqué lors de l'avis de motion et du premier règlement. Le code d'éthique des élus, c'est obligatoire. Tous les élus ont suivi une formation sur le code d'éthique le 12 mars, une durée de 4 heures. Le code d'éthique, en gros, il parle de valeurs, d'intégrité, de prudence, de respect, de civilité, de loyauté, d'équité, d'honneur, de dignité. Alors, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 8.13, adoption du règlement, code d'éthique et de déontologie des employés. Mme Ranger. Donc, dans la même ordre d'idée, il y a aussi le code d'éthique des employés qui a été revu conformément à la loi. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 8.14, procédure judiciaire, mandat au cabinet d'avocats Roy et Asselin, mise aux normes de l'immeuble du 170 rue Notre-Dame. Madame Falker?
Oui, bien, c'est quand même assez clair là, comme titre. On parle de la maison qui est voisine de la nouvelle école de conduite là, en s'en allant vers Saint-Sulpice. Donc, le bâtiment, la clôture, le terrain qui est situé là démontre un sérieux manque d'entretien puis une vétusté assez évidente. En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, quand une municipalité constate là, que l'utilisation des lieux n'est pas conforme à un règlement municipal ou qu'elle est dans un tel état qu'elle peut mettre en danger des personnes où elle a perdu plus de la moitié de sa valeur pour cause de vétusté, la Cour supérieure peut, sur demande de la municipalité, ordonner l'exécution des travaux requis pour rendre l'utilisation du sol conforme, assurer la sécurité des personnes ou même exiger la démolition de la construction. Dans ce cas-ci, bon, malgré plusieurs avis transmis aux propriétaires puis aux locataires, ces derniers ne semblent pas vraiment prendre les moyens appropriés pour remédier à la situation. Donc, il y a lieu d'entamer des procédures judiciaires afin d'obtenir une ordonnance qui vise l'exécution des travaux requis pour assurer la conformité de l'utilisation du sol et des constructions, puis la sécurité des personnes, puis même exiger la démolition des constructions. Donc, je propose là, que le conseil municipal, dès l'expiration des délais qui ont été transmis aux propriétaires pour remédier à la situation, qu'on mandate Maître Pierre-Édouard Asselin du cabinet d'avocats Roy et Asselin à prendre les procédures judiciaires nécessaires et appropriées pour rendre conforme à la réglementation l'immeuble situé au 170 rue Notre-Dame, puis que ces dépenses-là soient assumées par le poste budgétaire frais juridiques requête à la Cour. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 8.15, appel d'offres, regroupement d'assurance pour OBNL par l'UMQ. Donc, moi, M. le maire, je vais me retirer. Ce n'est pas tant que j'ai un intérêt pécunier, mais mon organisme profite de cette assurance-là que fournit l'Union des municipalités du Québec. Donc, je me retire. Donc, Mme Falker se retire. Mme Villeneuve. Oui, donc vous savez que sur le territoire de la municipalité, on a plusieurs organismes communautaires qui desservent les citoyens à longueur d'année. Et ces organismes-là, en fait, ont de la difficulté à trouver des assurances, responsabilités, entre autres, là, à des coûts qui sont abordables en fonction de leur réalité. Puis pour répondre à ce besoin-là, l'Union des municipalités du Québec va en appel d'offres, dans le fond, regrouper. Puis la Ville de Lavaltrie adhère à cette façon de faire avec l'UMQ. Donc, je propose que le conseil municipal de Lavaltrie adhère au regroupement par lequel l'UMQ procède à l'appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité. Dans les OBNL qui sont déjà inscrits dans ce programme-là avec nous, il y a le Relais Jeunesse de Lavaltrie, qui est la Maison des Jeunes, la Corporation de la Maison Rosalie Cadron, les Travailleurs de rue de Lavaltrie, Coopérative de solidarité du Café culturel de la Chasse-Galerie, les Chevaliers de Colomb, Action Famille, le Club de soccer, le char galerie de Lavaltrie. Oui, c'est l'exposition de véhicules qu'il y a eu l'année passée. C'est bon. La maison des aînés de Lavaltrie est au bord des mots. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Donc, Mme Falker réintègre son siège. 8.16, adjudication de contrat, service professionnel de contrôle qualitatif et de tests laboratoires pour les travaux d'urbanisation d'une partie de la 131. Monsieur Tremblay. Donc, dossier tout chaud qui vient tout juste de sortir du four. C'est aujourd'hui même là, que le comité s'est réuni pour... dans le fond, quand il y a un contrat en offre publique, il y a des soumissionnaires et les soumissionnaires sont tous ouverts au même moment. Et le mandat du comité se divise en deux parties. Il vérifie d'abord la conformité et ensuite le contrat va au plus bas soumissionnaire conforme. Donc, pour les tests de sol pour l'urbanisation d'une partie de la route 131, dossier dont on va vous parler là, bientôt, c'est Solmatec qui a eu le contrat
pour un montant de 256 834,60. Donc, ça va être assumé par le règlement d'emprunt pour les travaux. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Rangée, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 8.17, adjudication de contrat, restauration de la maison Rosalie Cadron, phase 1, Mme Rangée. Donc, la maison Rosalie Cadron, comme vous savez, appartient à la ville de La Valtrie et il est temps de faire quelques rénovations. Donc, c'est la phase 1 cette année. Ça va toucher la fondation et structure en général. Donc, on va remplacer une solive ainsi que toutes les bénisteries, donc les clins de bois, la peinture, les galeries. Donc, la proposition serait que le conseil municipal, après un processus de demande de prix pour la phase 1 de la restauration de la maison Rosalie Cadron, octroie à Bro et Gosselin Construction le contrat au coût de 29 630,21, incluant les taxes, que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt décrétant la réalisation de ce type de travaux. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Donc, proposé par Mme Rangée, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 8.18, octroi de contrat, travaux de réhabilitation de conduites pluviales localisées sur les lots. Je vous passe les lots. M. Tremblay. Ouais, c'est des lots qui sont situés tout près de la rue des Jardins de l'Aurore. C'est des conduites pluviales qu'on vient gainer. Donc, ils sont déjà en place. On vient les gainer pour les imperméabiliser, dans le fond, les réhabiliter. C'est entre la rue Notre-Dame et Jardins de l'Aurore. Ça vient passer sur trois terrains privés. Un des terrains là, est en très, très petite partie, mais il reste ces trois terrains privés. Donc, il y a les travaux qu'on vient faire et la servitude qu'on vient se pourvoir d'une servitude là. Donc, c'est au coût, le contrat est octroyé à CGI Environnement au coût total de 90 054,17. Cette dépense est assumée au règlement d'emprunt et on va mandater Marc-André Desjardins, trésorier, que vous avez rencontré tantôt, M. Marc-Olivier Brault, directeur général, qui soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Oui. 8.19, directive de changement, contrat de réfection de la galerie des éléments de boiserie à la maison des contes et légendes. M. Tremblay. Bien, au même titre que la maison Rosalie Cadron, hein, la maison des contes et légendes est propriété de la ville et a aussi besoin d'amour. Donc, on en est là à donner de l'amour à la maison des contes et légendes. Évidemment, en respectant le patrimoine bâti, donc c'est un peu particulier comme travaux. Le processus d'appel d'offres public a été octroyé à l'entreprise Bro et Gosselin Construction Inc. Pour la réfection de la galerie des éléments de boiserie à la maison des contes et légendes. Et lors de la rencontre de démarrage du projet, les intervenants ont soulevé certaines contraintes relatives aux conditions de chantier et de la possibilité de procéder différemment aux travaux de réfection. Ils ont donc une nouvelle approche qui permettait de réduire les coûts. C'est rare que ça va dans ce sens-là. Je vous dirais que ces temps-ci, ça va plutôt dans l'autre sens, en multipliant et non en soustrayant. C'est même exponentiel à certains égards. Mais là, ça va vers le bas, puis pour un bon montant de 125 011 avant-taxes. Donc, étant donné la directive A1, datée du 29 avril 2022, et la recommandation favorable émise par la firme d'architectes Affleck de la Riva, mandatée pour la réalisation des plans et devis, ben, je propose que le conseil municipal accepte cette directive-là, que le conseil municipal accepte également de modifier le contrat en soustrayant une somme de 125 000 audit contrat. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Gavremont, à ma droite, oui. À ma gauche. Oui. Oui. 8.20, c'est autorisation de dépenses et dépôts du rapport budgétaire dont chaque élu a reçu copie. C'est seulement un dépôt. 8.21, autorisation de paiement compte à payer. M. Moreau. Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 5 avril au 2 mai 2022 de la ville de La Valtrie, incluant les dépenses de fonds administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 785 634,91, selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 29 avril 2022, lequel est annexé à la présente résolution.
Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Oui. Hein? Point 9, c'est la période de questions. Juste rappeler que dans la période de questions, c'est trois questions qu'on peut poser, évidemment, pour laisser la chance à tout le monde. Je vous ferai remarquer à tous les élus, pour une des rares fois, je ne me suis pas trompé de ma gauche puis de ma droite. Oh. Félicitations. Félicitations. Félicitations officiellement. Félicitations. Parfait. Donc, aucun nom, non, plus en plus, ouais. Aucun nom également. Une petite hésitation des fois. Mais... Oui, un petit peu. Point 9, période de questions. Oui. Je suis conscient qu'il va se passer d'autres choses après. Moi, essayer de faire ça vite. J'ai le droit à une question. Je vais prendre juste un commentaire. Votre nom, il faut le répéter quand même. Je m'excuse, c'est Jean-François. Pas de problème. Saint-Thomas. Mon petit commentaire avant mes trois questions. Monsieur Tremblay m'a déjà dit que c'était rare que vous aviez des fleurs. Moi, vous en donner une pour le point 8, point 14. Merci. Astor, question. Pour le point 4, point 14, là, les espèces de mini-entrepôts ou de quoi là, qui a été refusé là, sur le bord du Ultramar, pourquoi ça a été refusé, la dérogation? C'est à la discrétion d'un conseil de ville. Okay. Quand il est déposé une dérogation mineure, et là, c'était des mini-entrepôts qui se trouvaient où on a le chemin Georges. On a la sortie qu'on prend de la 31 pour sortir, pour rentrer à la Valtrie. Et c'était dans cette pointe-là, sur un petit lot. Donc, on a refusé la dérogation mineure. Ça ne valait pas la peine. C'était pas adapté. Ouais. OK. J'ai pris, la dernière fois, un crayon. Je vous l'avais dit que je venais d'avoir. Pour ce qui est du dépôt du budget qu'on a vu au début de la soirée, C'est pas le budget, il faut faire attention. C'est vraiment le dépôt du rapport financier. Du rapport financier. Exact. Je suis d'accord que c'est vrai que c'est pas la même chose. Pas de problème. Est-ce que les détails de tout ça sont publics? Est-ce que oui, ça va se retrouver sur le site web de la ville de la Valtrie. OK, parce que je me demandais en transport, 4 millions, qu'est-ce qui coûtait si cher que ça? Faut faire attention. Je vais aller voir. Je sais que ça peut aller vite, rien que le déneigement doit être combien? Oui, c'est ça, mais le transport, là, M. Brou peut en nommer quelques-uns, là, mais le transport, c'est parce que c'est regroupé dans des postes budgétaires. Puis transport, ben, on a toute tendance à penser que c'est juste du transport. C'est la voirie, le déneigement, transport collectif, tout ce qui est les circuits de transport. J'ai été surpris de savoir que le transport coûtait si cher que ça, ouais. Sur 20 millions. La voirie, oui. En parlant du rapport financier, si j'ai bien compris, la ville, elle a 2 millions en excédent, en revenus, si je ne me trompe pas. C'est l'année 2021, on a fini avec un surplus pour cette année-là de 2, là, je n'ai pas le montant exact parce que je n'ai pas le PowerPoint, à peu près. De 2,9 millions, okay. Mais c'est pour l'année 2021. Okay. Mais le cumul de ce qu'on a eu avec les développements et tout des dernières années, ça se monte un total de surplus de 5,3 millions, là, approximativement. Il doit y avoir pas mal de gens dans le coin de la rue L'Espérance, puis j'ai oublié tout le temps les deux autres noms, qui aimeraient ça avoir un petit 500 pour... Ça, c'est des règlements d'emprunt pour les infrastructures. Le taxe qui va augmenter substantiellement, là. Pas nécessairement. Dans ce secteur-là, il faut comprendre une chose. Les gens payent 23 % total de la facture. Ouais. Et quand c'est des infrastructures, et ça, c'est partout, là. Quand on fait des infrastructures, c'est toujours une taxe de secteur. C'est les gens qui utilisent ces infrastructures-là. Ben, ces il y en a une partie à l'ensemble, parce qu'une chance qu'ils ne payent pas 100 %. Avoir une petite partie exactement. De surplus pour... Parce qu'on s'entend, ils vont avoir quand même 30 % d'augmentation de taxes, eux autres-là. C'est... Quand on paye des infrastructures au coût d'aujourd'hui, effectivement, c'est assez dispendieux. Si vous me donnez le droit à une dernière question, allez-y. Parce que j'ai déjà pris ma troisième. Quand on parlait du 1,5 million pour acquérir des nouveaux véhicules, oui. Là, ouais, je comprends qu'un loader, ça coûte cher, puis un tracteur aussi, puis le calcul, il se fait assez vite, je le comprends. Ça va être amorti de quelle façon, ces taxes des gens? Sur combien de temps? C'est amorti sur combien de temps? Mais... C'est un règlement d'emprunt sur 10 ans. Sur 10 ans. Autrement... 7 ans. Excusez-moi, 7 ans, oui.
C'est ça, 7 ans, parce qu'on a calculé... Il y en a deux parties. Ouais, les véhicules légers, si on peut considérer qu'un gros pick-up, c'est léger, mais comparé à un loader puis à un 10 roues, oui, c'est plus léger. Fait que loader, 10 roues, véhicule lourd, 10 ans, véhicule léger, là, camionnette, pick-up, 7 ans. Fait que c'est ce 1,5 million-là va coûter combien par tête? C'est par en réalité, par lot, c'est par propriété. Et là, ça marche vraiment sur l'ensemble. Marc-André Desjardins, oui. C'est sur la valeur foncière. C'est ce qui... Il faut faire attention parce que nous autres, quand on le fait, on se donne toujours une approximation de ce que ça va donner, mais c'est pour la valeur moyenne d'une propriété à la Valtrie. Exemple, si la valeur moyenne, c'est de 240 000, 250 000 à la Valtrie, moi, ma propriété... Si on dit que ça va coûter, là, je vous donne un exemple, parce que c'est pas ça du tout. Si on dit, bon, que ce gré règlement d'emprunt-là va coûter 30 $ mais c'est pour une maison de 250 000. Si ma maison est évaluée à 210 000, c'est plus 30 $ parce que c'est selon l'évaluation de la propriété. Fait qu'en soir, pour un 250 000, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un chiffre approximatif? Si quelqu'un a une propriété de 500 000, c'est la 500 000 ne m'intéresse pas. Moi non plus. OK, mais on ne peut pas avoir une approximation. Je ne peux pas vous calculer ça de même, puis je n'ai pas le chiffre en avant de moi. OK. À qui qu'on peut s'adresser plus tard? Vous pourrez appeler le trésorier. Parfait, merci. Oui, puis on va vous envoyer ça. C'est bon, je laisse le déroulement de la soirée. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom c'est Jean-René Lafrenière, 33 Carmen. J'ai deux demandes. Une demande, c'est pour le chalet dans le domaine Charbonneau, s'il y aurait moyen d'étendre de la roche, parce que le jeudi soir, c'est le crib, puis toutes les personnes âgées qui sont là, bien, quand il pleut, là, c'est la mer qui est là. Ça serait possible pour empêcher des accidents qui vont vous venir sur vous autres après. Après ça, j'ai déjà parlé à M. Pellerin. Pour la rue Carmen et la rue des Cascades, il y a une bonne curve pour entrer dans la rue Carmen. Puis, il y a toujours du monde, les fins de semaine ou de temps en temps, qui se parque dans la rue Carmen. Puis, la rue Carmen n'est pas large. Fait qu'on est obligé de soit d'attendre que l'autre véhicule passe ou qu'on est obligé de se tasser complètement à gauche. Puis, il y en a d'autres qui se parquent direct au stop sur la chaussée. Fait que quand vous vous emmenez pour embarquer dans la rue des Cascades, bien, vous êtes obligé de passer en angle. S'il y aurait moyen de mettre des pancartes. Je n'ai parlé à M. Pellerin deux fois. Je n'ai pas eu de nouvelles, rien de ça. Fait que ça serait pour vous demander si vous pouvez faire ça. Puis en même temps, une autre affaire, puis j'ai fini. Ah, pas de problème. En même temps, ils ont construit des blocs juste sur le coin. Puis le monde met leurs vidanges, les sacs de vidange sur le bord du chemin, au lieu de les mettre dans des bacs ou dans des containers. Puis là, bien, quand... Julien, t'arrives là, c'est plein de cochonneries à terre. Là. Vous pouvez aller faire un tour, c'est plein encore. Là. OK. Puis ça revole tout partout. Merci. Bien, pas de problème. De toute façon, ça paraît pas, là, mais M. Brault a tout pris ça en note, puis on va regarder ça. C'est bien. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Daniel Audet, ma fille, Marie-Caroline. Présentement, c'est comme citoyen. Je vais emmener un problème qu'on a présentement qui ne peut qu'empirer, c'est les animaux errants, les chats. Fait que là, j'ai fait beaucoup de démarches auprès de la SPCA, puis la ville aussi. Mais c'est la ville qui peut avoir un contrat avec la SPCA pour pouvoir gérer les chats errants. Je sais qu'à Saint-Sulpice, il y en a un aussi. Mais nous disent tous que c'est la ville qui donne comme le permis là, pour pouvoir avoir une structure pour pouvoir faire en sorte que les chats errants soient stérilisés ou qu'on puisse mettre fin à la prolifération. C'est ça. Ma fille, elle parle, je ne savais pas, mais elle parle de son petit côté, protéger les animaux. Donc, les chats errants qu'on a à la Valtrie, comme Montréal, Saint-Sulpice, beaucoup d'autres villes, ont des procédures où ce qu'on peut, stériliser les animaux. Ouais. Ici, à la Valtrie, on n'en a pas. Puis je vais vous donner un exemple, là, parce qu'on va ressembler à Pointe-Saint-Charles, Verdun des années 80. L'année passée, une chatte sous mon cabanon, trois accouchements, deux fois trois, une fois quatre,
10 chats. On parle d'une chatte. Sur mes caméras de surveillance, 47 mouvements dans ma cour, 17 chats différents. Puis il faudrait prendre ça en main. Ouais, je 10 sais chats ouais. de plus, mettez 5 autres femelles à 10 chats chaque femelle, 50 chats de plus en 2022 dans ma cour, sur 17 autres chats. Ça en est épouvantable, en plus de créer les désagréments. Là. Puis c'est chier, déterrer tes fleurs, mettre le bordel dans ton paysagement. Toi, tu es à l'heure de te faire piquer, toi. Fait que il faut faire ça. Puis le projet de ma fille, c'est que la ville devrait aussi s'occuper de ça. Mais c'est à la ville, je pense, d'instaurer un programme. Ben c'est, en réalité, c'est quand on part en appel d'offres avec la SPCA, parce qu'il faut comprendre que la ville donne évidemment le contrôle, ben, vous le savez de toute façon, à la SPCA. Donc, il faut que ça soit une entente avec la SPCA, parce que je sais qu'il existe des programmes où il y a eu des places là, où ils faisaient la stérilisation, puis c'était gratuit, puis ils attrapaient les chats errants, puis vraiment, là, ils les stérilisaient. Oui, mais ça, c'était... On les relâche. Oui, exact. On les suit, mais au moins, il n'y a plus de prolifération. Tu sais, j'ai beau dire, on essaie de placer tous les petits chatons qu'on trouve ici et là, mais à un moment donné, ça... Effectivement. Ben écoutez, on va le regarder, parce que là, Non, mais on a même des problèmes. Oui, oui, mais ça va... On peut en parler, ouais. Je veux que la ville le prenne en main, parce que c'est vraiment important, là, ce problème-là. Oui, effectivement. Les chats, puis là, on pourrait en parler plus longtemps, il y a d'autres problèmes que les chats amènent aussi. Fait que peut-être passer des petits pamphlets... Oups, je me tiens là-dessus. Passer des petits pamphlets une fois par mois, je ne sais pas quoi, d'importe, d'un boîte à mal. Vos chats, c'est gardé à domicile. Il y a des attaches, il y a des harnais. Un chat n'a pas plus le droit qu'un chien de se promener librement, d'aller déterrer puis aller dans les propriétés d'autrui. Il faut sensibiliser les gens aussi à ça. Puis l'accouplement, ça se fait vite. Fait que prendre tout ça en main, puis si vous voulez, on peut en reparler encore. Vous savez que c'est Animalerie Le Toucan. Oui, oui. On est capable de nous rejoindre, mais on a vraiment un gros, gros problème parce que. Ça va se propager, cette affaire-là. Là. Puis les maladies que ça amène, les infections, les problèmes de... Ça n'est non, pas... mais je vous garantis, on va le regarder, c'est okay. Sûr et certain. Je retourne à ma place. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, pour la période des questions, c'est bien. Non. Oui. Mon nom est Linda Desilet. En fait, je n'ai pas de questions. Je veux juste réagir pour que vous preniez un autre. Un excusez, autre point vous, pouvez, de... vous pouvez enlever votre masque ou ce que. OK, excusez. Ah, pas de problème. Donc, Linda Desilet, je veux juste réagir un peu à ce qui vient de s'être dit pour que dans votre réflexion par rapport à ça, soit tenu compte aussi du fait que si tous les chats errants sont. À un moment donné, plus là, parce qu'on va les stériliser, puis bon, ils vont en décéder, puis il n'y en aura plus. Les gens vont se plaindre qu'il y a des mulots, qu'il y a des rats, qu'il y a des souris dans leur maison, parce que ces chats errants-là font ce ménage-là aussi chez nous. Donc, juste tenez compte de ça dans votre démarche. Merci. 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 Donc, c'est bien pour la période de questions. Donc, levée de l'Assemblée, proposée par... Monsieur Pellerin, appuyé par Monsieur Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup. Donc, on va se réinstaller un petit peu et merci, hein, je vais le dire tout de suite, merci beaucoup aux gens dans la salle.